être assez court, puisque l'intérêt, c'est surtout que les experts qui sont ici, que je remercie encore une fois de leur motivation et de leur engagement et de leur ouverture à partager des informations, voilà, vont le faire avec vous qui êtes ici présents ou vous qui êtes également en ligne. Alors, qui dit projet collaboratif, forcément, c'est plein d'acteurs directement impliqués dans le projet, des associations, des universités qui nous accueillent aujourd'hui. Merci de la faculté d'agrobiothèque, mais aussi des acteurs privés qui veulent y aller, qui veulent s'engager, parce qu'il n'y a que comme ça que ça va fonctionner. Qu'est-ce que nous faisons? Trois grands piliers, expérimenter et démontrer la performance des serres sur les toits, avec quatre projets pilotes, première partie. Une deuxième, c'est accompagner des porteurs de projets dans leur démarche pour partager l'expérience. Et finalement, convaincre les serres sur le toit, c'est possible. Et comment convaincre, comment permettre que ça se déploie par la suite, c'est la mise en place des guidelines. Les guidelines qui sont en cours de préparation, qui sont le fruit de tous ces échanges que vous allez avoir et que nous allons avoir ensemble à la fin du projet pour permettre que vraiment ça puisse se déployer. Quatre projets, je vais faire très rapide parce que vous allez en voir dans les échanges avec les intervenants. Le projet en Allemagne, une serre solaire dans le cadre d'un campus pour l'efficacité énergétique et l'utilisation de l'énergie solaire. Un projet luxembourgeois qui s'implante sur un restaurant et qui utilise la ventilation et le CO2 du bâtiment adjacent. Un bâtiment en France, au sein même d'un complexe d'une ferme urbaine en activité, avec ce besoin de l'objectif économique réussi et également pour résoudre un problème de pollution des sols. Et finalement, un projet ici sur le site de Wasabi, que vous aurez probablement le plaisir de visiter tout à l'heure ou d'entendre parler plus en détail. Donc la deuxième partie, c'est bien l'accompagnement d'une dizaine de projets, de pionniers, qui sont à différents stades d'évolution, des échanges, pour lever ensemble les obstacles administratifs et techniques. Cinq projets en France, quatre projets en Belgique et un au Luxembourg. Donc on remercie encore une fois tous ces participants pour cet échange collaboratif, cette nouvelle manière de voir l'économie et pas juste en regardant les euros. Pour finir, quelques événements à venir, donc cette masterclass dans le cadre de l'inauguration du complexe Wasabi, et différents autres événements, toujours dans le mix des secteurs, agriculture et construction. Je passe la main à Nicolas Ancion qui va vous donner vraiment toutes les informations et piloter cette masterclass. Merci à vous d'être là. Merci à tous ceux qui sont sur le web et qui communiquent. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et apporter votre contribution. Merci. Merci, prof. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Merci Francis, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cette masterclass groupe, autant en présentiel qu'en virtuel. Je m'appelle Nicolas Ancion, je suis chercheur et chargé de projet à l'Université de Liège au travers de deux centres de recherche. Le premier est lié à HEC Liège, qui est le Smart City Institute, un institut qui étudie la ville intelligente et durable. Et le second est le Centre de recherche sur l'agriculture urbaine, dirigé par Aïssam Jilapi, que vous avez vu ce matin, qui est également coordinateur de la plateforme Wasabi. On nous en parlera plus longuement tout à l'heure. Alors aujourd'hui, je viens rapidement vous parler un peu de cyclisme. Comme on a le temps au niveau du timing, visiblement, j'en profite. Par une petite question, qui d'entre vous, c'est une question simple, a déjà fait une balade en vélo? A priori, tout le monde. Magnifique. Donc, comme vous le savez, pour réussir une balade en vélo, il faudra plusieurs éléments, plusieurs facteurs qui aient le succès. On peut penser à la météo, du beau temps, pas trop de vent, pas trop de vent, du moins.
On peut penser aux éléments du groupe, les cyclistes, de bonne humeur, que la journée soit bonne. Et on peut aussi penser à des éléments plus institutionnels, comme des cyclables adaptés. Eh bien, un projet de serre en toiture, comme une balade en vélo, va dépendre de plusieurs facteurs, des facteurs clés de réussite. On les a structurés en différentes compétences. On va d'abord avoir la compétence en modèle économique. Ça vous est présenté par Nicolas Brulard, des Jardins de Galie, en France. Ensuite, on va avoir la compétence en échange énergétique, qui vous est présentée par Ulrich Kirchnick, de l'université Haifas d'Allemagne, et qui fait l'effort de venir parler en français. Voilà, merci. On est en agriculture urbaine, il faut évidemment agréger autour du projet des compétences en agriculture, en agronomie, qui vous sont présentées par Guillaume Morel-Chevillet, d'Arfredor, en France. Et enfin, on est en serre en toiture, donc on est sur les toits. Et cette compétence de construction vous sont présentées par Marcel de Ravet, de l'IFPSB du CEDEC au Luxembourg. Je vous invite à utiliser pour les questions qui vous viendraient à l'esprit durant la présentation la plateforme SLIDE, donc sli.de. Avec ce code-là, vous le retrouvez également sur les programmes. Après les présentations, on prendra 15-20 minutes pour répondre à un maximum de questions avec les experts qui vont présenter. Mais tout de suite, je vais laisser la parole à Nicolas Brulard, des Jardins de Galie, qui va vous en dire plus sur les modèles économiques en agriculture urbaine et surtout en serre en toiture. Sinon, je me mets là. Ça a l'air de mieux marcher. Bonjour. Alors, du coup, moi, comme l'a présenté Nicolas, je travaille aux fermes de Galie en France. Des porteurs de projets, des pilotes de serres en toiture. Et donc, on propose de construire une serre sur un ancien bâtiment agricole dans une ferme urbaine, donc qui est au cœur de la ville de Saint-Denis. Parfait, ça va être plus simple. Au cœur de la ville de Saint-Denis, en France, à côté de Paris. Et du coup, dans notre travail, au-delà de ce projet, on travaille beaucoup sur les modèles économiques des serres urbaines, mais aussi des fermes urbaines. Et du coup, sur qu'est-ce qui peut faire qu'un projet sera viable, au-delà de ses performances techniques, etc., mais qu'est-ce qui peut faire qu'économiquement, le modèle économique a un sens. C'est ce que je vais essayer de vous présenter dans les 10 minutes. Pour bien comprendre, aujourd'hui, les fermes de Galie, c'est un ensemble de fermes autour de Paris, principalement, qui, pour faire face à l'arrivée de la ville et à l'extension de la ville, a fait le choix de ne pas partir prendre des terres plus loin, mais d'adapter les modèles économiques avec la diversification et notamment des activités de paysagisme, des activités de bureau d'études, des activités de livraison de fruits et de légumes en ville, etc. Toutes des activités qui sont tournées vers la ville et vers les interactions qu'il peut y avoir entre la ville et l'agriculture. Donc au début, c'était très rural et puis petit à petit, on a eu des terrains... On a eu des terres à côté des infrastructures type autoroute qui ont permis d'accueillir plus de gens sur des cueillettes à la ferme, par exemple. Ici, vous avez la ferme de Saint-Denis, où vous avez 3 hectares qui sont réservés par la collectivité, par la mairie, et qui sont, entre guillemets, condamnés à être agricoles dans une zone où ça construit beaucoup. Donc, un gros choix politique. Et nous, on a l'exploitation de cette ferme pendant 25 ans, et c'est là qu'on va construire notre pilote. Mais on travaille aussi beaucoup sur l'interaction entre les usagers et l'agriculture et la nature, notamment avec des projets de potager sur les toits ou des projets de serres urbaines. C'était le premier projet pour lequel on est rentré dans le projet groupe, c'était dans le land des serres en toiture. Et ce projet est un bon exemple parce qu'il y a plein de choses qui ont fait qu'il n'a pas pu se faire pour des raisons politiques, économiques, etc. Donc quand on se pose la question de pourquoi faire une serre en toiture, déjà c'est que ça répond à un ensemble d'évolutions de la société. Aujourd'hui, on parle de changement climatique, on parle d'aliments frais locaux, on parle d'empreintes carbone, et l'agriculture urbaine, et notamment les serres en toiture, peuvent être une réponse à ces enjeux. Et du coup, l'agriculture aujourd'hui, notamment urbaine, ouvre de nouvelles perspectives de diversification, de développement de projets, etc., et de marchés potentiellement plus rémunérateurs pour les agriculteurs. Et d'autres raisons
pour choisir les serres, alors il y a un petit problème de mise en page, mais c'est que c'est joli. C'est-à-dire que les architectes, quand ils dessinent un bâtiment, eh ben, la serre en toiture peut vraiment bien finir le bâtiment, et on a souvent des demandes qui viennent de la part d'architectes. La serre, qu'elle soit en toiture ou pas, elle a aussi un intérêt parce qu'elle sécurise la production tout au long de l'année, en étant dans un milieu fermé avec un climat défini. Et un des enjeux de la serre, c'est aussi de maintenir la température. Donc souvent, on va installer des chaudières, on va installer des équipements énergétiques qui peuvent être très coûteux. En les mettant sur un bâtiment, et ça on en parlera plus après sur la partie énergétique, en les mettant sur un bâtiment, on arrive à faire des grosses économies en production d'énergie, en récupération d'énergie et aussi du coup en émission de CO2. Mais au-delà de ça, il y a des exemples de serres en toiture emblématiques qui montrent que ce n'est pas si facile. Là, vous avez l'exemple, par exemple, de Urban Farmers à La Haye, qui avait été un des premiers à faire des serres en toiture en Europe et qui a fait faillite il y a 2 ans. Faillite parce que le projet a d'abord été un projet de serre en toiture et pas un projet économique. Ça veut dire qu'ils sont d'abord intéressés à ce qu'ils étaient capables de produire et de vendre, plutôt qu'à savoir s'il y avait un sens à l'endroit où ils l'ont fait pour produire et pour vendre, s'il y avait un marché, si les coûts de construction, les coûts opérationnels étaient cohérents avec ce qu'ils faisaient dans la zone, sachant que dans cette zone, on est dans une zone assez peu urbaine et où tout est entouré de serres de tomates les plus productives au monde à proximité. Donc le marché est peut-être moins différenciant que dans le centre de Paris. Et les serres en toiture vont être confrontées à d'autres usages, des usages du bâtiment. Quel est l'intérêt à mettre une serre en toiture par rapport à mettre des panneaux solaires, par exemple? Quel est l'intérêt de mettre une serre par rapport à l'agriculture plus ou moins technologique en plein air sur la toiture? Et puis pour l'exploitant, quel est l'intérêt d'aller mettre une serre en toiture par rapport à faire de la culture en serre en plein champ ou de la culture sans serre au sol? Et tout ça, c'est les critères que nous, on prend en compte pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va faire qu'un modèle économique a un sens ou pas. Et du coup, ça nous a amené, dans les guidelines dont on vous a parlé, ça nous a amené à différencier aussi à qui on parlait. Ça veut dire que les contraintes à prendre en compte sur ces sujets ne vont pas du tout être les mêmes pour l'architecte, pour le propriétaire du bâtiment, pour l'exploitant ou pour un financeur, qu'il soit public ou privé, qui est amené à se positionner sur est-ce qu'il va aider ou pas ce projet. Et donc, on a essayé de définir une méthodologie par type d'acteur pour définir comment, à mon échelle, je peux vérifier que le projet est en phase avec ce que je veux faire. Donc c'est ce qu'on a appelé la serre en toiture n'est qu'un moyen, mais est-ce que c'est le moyen qu'il me faut pour atteindre mon objectif? Est-ce que dans mon objectif de développer des fermes urbaines, est-ce que c'est de cette serre en toiture-là dont j'ai besoin? Qu'est-ce que j'en attends, etc. Et donc pour chaque acteur, notamment pour les exploitants, pour les architectes, on définit quels peuvent être les critères et quelle est la méthodologie pour arriver à conduire son projet. Et un élément qui est important pour nous, c'est aussi de raisonner sur le pas de temps. Ça veut dire que l'exploitant, qui est aujourd'hui qui est vraiment une denrée rare, les exploitants de fermes urbaines, qui manque, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas assez de personnes pour exploiter des fermes urbaines, l'exploitant, lui, va s'inscrire dans ce qu'on appelle la maîtrise d'usage, c'est-à-dire qu'il va être là sur les 10, 15, 20, 30 ans de la vie de la serre. Alors que les autres membres du projet, souvent les architectes, ils sont là juste au lancement. Donc les objectifs ne sont pas les mêmes. Et c'est vraiment important de se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire et comment ça peut évoluer pour notamment arriver à attirer un exploitant et lui proposer un outil de production qui est économiquement intéressant. Et donc, un critère important, c'est d'intégrer les coûts et les délais. Quand on veut s'installer agriculteur, ça peut prendre un peu de temps, mais trouver des terres en plein air, à la campagne, c'est pas forcément très long. Un projet de serre en toiture, ça va prendre 2, 3, 5 ans, le temps entre le moment de la conception et le moment où ça va être vraiment productif. Donc il faut intégrer ces temps-là pour regarder comment on arrive à tenir tout ce temps-là en attendant que l'outil soit productif. Est-ce qu'on a une ferme relais à côté, etc. Voilà. Donc d'intégrer tous ces éléments qu'on essaye de vous communiquer, notamment ici. Et de se poser la question de comment les différents partenaires du projet, à la fois de la construction et de l'exploitation, peuvent travailler ensemble et est-ce que leurs objectifs sont. Et ensuite, il y a toute la question du diagnostic en tant que tel du bâtiment. Est-ce que les accès que j'envisage sont adaptés? Est-ce que je peux faire venir du public? Est-ce que je peux mettre les cultures que je voulais pour des raisons de charge admissible sur la toiture, etc. Et tout ça, ça rentre dans la partie pas que technique, mais aussi économique, parce que ça peut influencer fortement le projet économique.
si mon objectif c'est de faire de la réception dans le public et que pour des raisons de sécurité et d'accès, j'ai pas le droit d'accueillir plus de deux personnes en même temps, est-ce que c'est le bon choix? Voilà. Alors là, il y a eu un souci de mise en page, mais c'était aussi pour rappeler les coûts que des serres en toiture, ça peut monter jusqu'à plusieurs milliers d'euros du mètre carré. Alors que de la culture en plein air, le temps de les équiper, un peu d'irrigation, peut être à 10 euros du mètre carré. Donc tout ça, c'est aussi d'arriver à caler les bons ratios pour démarrer de la bonne façon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve des financements pour ces projets, il n'y a pas de souci. Mais l'enjeu, c'est juste d'avoir connaissance en tant qu'acteur économique de ces coûts-là pour les planifier de la meilleure façon que toi. On pourra vous envoyer une version avec les chiffres qui apparaissent bien, si vous voulez. Voilà, donc comme on l'a dit, le cœur du sujet, c'est quand même de trouver un exploitant et de lui proposer un outil qui est intéressant. On a des exemples, j'en parlerai un peu après, même si je n'ai pas beaucoup de temps, d'une toiture à Tours, les jardins perchés, sur lequel en fait, la situation périurbaine a fait qu'il y avait pas mal d'exploitants pour qui ce n'était pas suffisamment intéressant d'accepter les contraintes d'être sur un bâtiment par rapport à avoir une ferme en pleine terre où ils étaient libres à 5 ou 10 km de là. Voilà. Donc bien se poser la question, qu'est-ce qu'il va faire qu'un exploitant vient? Et puis, si un exploitant est amené à partir, parce qu'on n'est plus forcément sur des carrières agricoles de 30 ans, ça peut être plutôt des entrepreneurs qui vont faire carrière pendant quelques années, est-ce que le projet peut être attractif pour d'autres types d'agriculteurs? L'important aussi, et c'est pour ça qu'on est plusieurs à parler aujourd'hui, c'est que la serre en toiture va combiner plein de sujets, et c'est important d'arriver à proposer une équipe sur laquelle on peut tous mettre en commun les sujets, le technique, l'économique, la production, l'énergie, pour arriver à produire un super projet, parce que l'objectif, ce n'est pas que chacun soit expert de tous les domaines, mais c'est que le projet fonctionne. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à confronter le projet avec des réalités, même si on est innovant, notamment sur les rendements. On voit pas mal de porteurs de projets qui vont imaginer des nouveaux rendements qui sortent, on ne sait pas toujours d'où, parce que c'est un sujet innovant. Et en fait, en allant voir des professionnels du secteur de l'agriculture, de l'horticulture, on peut arriver à confronter notre business plan avec des chiffres réels. Et ça, c'est un vrai gain. On bénéficie de l'expérience, on peut bénéficier d'entraide aussi, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les pilotes qu'on a aujourd'hui dans le projet Groove, il y en a beaucoup qui sont rattachés à des structures existantes ou qui s'associent à d'autres producteurs pour bénéficier de l'expérience en plus des économies d'échelle. Et enfin, on ne va pas en parler beaucoup ici, mais c'est de réfléchir aussi aux coûts évités à l'économie circulaire. En se mettant sur un toit, on rentre dans un écosystème. Et on peut avoir des grosses économies. Par exemple, on peut ne pas acheter de chaudière, parce qu'on va profiter de la chaleur du bâtiment. On peut ne pas acheter d'ascenseur dédié à la serre, parce qu'il peut y avoir des mutualisations. Donc il y a toutes ces logiques de mutualisation à l'échelle du quartier, à l'échelle du bâtiment, qui peuvent faire des vraies économies, voire même qui peuvent faire l'objet de financement par d'autres acteurs, parce que ça leur permet d'atteindre des objectifs de développement durable ou d'efficacité énergétique. Donc aujourd'hui, le financement, il y a plein de ressources pour le financement. On le dit beaucoup, on en avait parlé avec Guillaume, mais aujourd'hui, c'est vraiment le cœur des acteurs économiques. Et on voit beaucoup de projets sur lesquels le modèle est conçu par des architectes, est conçu par des gens du bâtiment, sans vraiment se poser la question de qui va l'exploiter demain. Et avant de se poser la question de quel type de serre on fait, nous, on est vraiment focalisé sur qui est-ce qui va le faire vivre demain. Qui est-ce qui va venir sur la serre? Qui est-ce qui va participer à la vie de ce quartier? Qui sont les partenariats, etc. C'est vraiment essentiel, on le dit beaucoup. Mais parce qu'on voit beaucoup de projets qui n'arrivent pas à avancer faute de quelqu'un qui incarne ce projet. Voilà, le temps a filé. Et je vais me faire taper sur les doigts si je continue. C'est juste pour illustrer ça un peu plus concrètement. Le projet Jardin Perché à Tours, où vous avez une serre en toiture sur le bâtiment d'un logement social, et cette serre en fait a eu du mal à trouver un preneur pendant 3 ans parce que l'entreprise qui l'avait développée a fait faillite et derrière on ne trouvait pas d'exploitant. Donc là ils viennent de trouver un exploitant, ils sont ravis, mais pour faire vivre ce projet qui est vraiment au cœur d'un habitat. Et ici nous la ferme de Saint-Denis sur lequel l'objectif c'est de sécuriser la production, notamment en ayant des légumes chauds type tomates, aubergines, etc. qu'on ne peut pas produire en pleine terre, dans une logique de vente en particulier au restaurant à côté. Je n'ai pas forcément le temps de développer la suite, mais l'idée c'était voilà, d'illustrer sur certains projets comment on arrivait à combiner tous les éléments du modèle économique avec des outils dédiés pour arriver à imaginer quelles sont les productions sur l'année,
quels sont les temps de production, comment la main-d'œuvre est rémunérée, les coûts de production par culture, etc., de manière à pouvoir faire les meilleurs choix, notamment économiques, pour définir une viabilité de l'exploitation. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment important d'arriver à mélanger tous ces sujets pour que l'exploitant ne soit pas le dernier qui intervient dans le projet agricole, dans le projet constructif, et qui puisse participer au groupement de projets avec les architectes, avec les bureaux d'études thermiques, etc. Vous aurez toute la conclusion dans les slides que vous recevrez. Et je vais passer la parole maintenant à Ulrike pour parler d'un projet concret, qui est le projet notamment symbiose, mais surtout de toutes les interactions énergétiques que vous pouvez avoir dans les serres en toiture. Peut-être utiliser celle-là aussi. Bonjour à tous, je m'appelle Ulrike Kirchnick. Merci beaucoup de Nicolas pour avoir prononcé mon nom parfaitement. Je viens du partenaire groupe allemand de l'Institut IFAS, qui fait partie de l'Université de sciences appliquées à Trèves en Allemagne. Et notre campus est parmi les plus verts au monde grâce à son approvisionnement en énergie verte et aussi ses investissements dans le secteur de l'efficacité énergétique. Et comme ça, ça tombe bien que je vous parle de ces aspects énergétiques aujourd'hui. Ce n'est pas seulement en Allemagne, chez nous, et notre campus, où le sujet de l'importance énergétique est très important, mais aussi ici en Wallonie, ça de grande importance, comme on peut voir dans la stratégie nationale et la contribution de la Wallonie pour la stratégie nationale énergie-climat de la Belgique. Donc, si vous êtes tous de la Wallonie, très bien, donc ce sont aussi vos objectifs que la Wallonie devient une région plus efficace en énergie et aussi qui augmente son taux d'approvisionnement en énergie verte. Et aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant, la recherche, innovation et compétitivité qui fait partie de ces aspects énergétiques. Et nous, avec notre projet GOOF, on peut contribuer à ça, parce que aussi ces aspects concernent notre projet et le développement des serres sur les toitures. Maintenant, c'est la grande question, comment, en général, peuvent les serres sur le toit contribuer à cet développement en efficacité énergétique et aussi à l'approvisionnement en énergie verte. Il y a plusieurs formes et aspects qu'il faut prendre en considération. Le premier, qui est toujours cité par la littérature, c'est l'isolation du toit d'un bâtiment existant. Parce que bien sûr, si on met quelque chose sur le toit, ça va augmenter les capacités d'isolation. Mais aussi, si on pense pas seulement à l'efficacité énergétique, il y a ces aspects d'approvisionnement en énergie. Et ça peut être fait ou être réalisé par les deux sens. Il y a le bâtiment, le support au-dessus la serre sera construite, qui peut fournir de la chaleur perdue. Mais aussi, la serre peut fonctionner comme collecteur solaire pour fournir de la chaleur ou de l'énergie verte pour le bâtiment. Il y a aussi des autres aspects qui tombent bien et qui contribuent aux objectifs de la Wallonie, comme par exemple on peut réduire le transport, donc aussi le secteur du transport et de mobilité est un grand consommateur de l'énergie et un grand émetteur des émissions. Et avec une production locale, on peut réduire ces émissions et aussi cet besoin énergétique. Et aussi, deux aspects qui sont très intéressants, c'est si on pense littéralement du CO2 et pas seulement dans le grand cadre du changement climatique, les plantes ont besoin du CO2 comme fertilisation et beaucoup des bâtiments, donc toutes nos activités humaines, comme nous sommes ici aujourd'hui, on produit du CO2 et ça peut être bénéfique aux plantes pour leur growth, boost. Croissance. Merci.
Moi, je vais me concentrer surtout sur les trois premiers aspects que j'ai mentionnés. Et on va commencer avec l'efficacité énergétique. Je pense que c'est un sujet que tout le monde connaît ou a déjà entendu. Mais on va se demander quand même pourquoi c'est important. Il y a deux aspects qui sont toujours considérés en premier. C'est bien sûr réduire les coûts parce que tous de nous, on doit payer pour le chauffage de notre bâtiment ou notre maison ou appartement. Mais aussi, on peut diminuer l'impact environnemental d'un projet, d'une activité, d'un produit. Mais il y a aussi des avantages peut-être qui sont plutôt à long terme. Donc, si on pense aux investissements ou aussi si on pense à la finitude des ressources fossiles, par exemple, que le prix de l'énergie va augmenter. Donc, même si peut-être dans la situation actuelle, avec un prix des énergies fossiles très bas, on aime bien oublier un peu l'efficacité énergétique, ça vaut le coup d'en penser pour le long terme. Et il faut toujours prendre en considération que l'efficacité énergétique, c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai mis comme premier aspect de ma présentation, c'est le plus important parce que la meilleure énergie est celle qu'on n'utilise pas en premier lieu. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On sait que c'est important de faire quelque chose dans ce secteur. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en considération et ce sont mes collègues Marcel Déravé et Guillaume qui vont en parler un peu plus profondément si on parle des aspects de construction. Donc, c'est le choix du matériel utilisé, bien sûr, qui est important pour l'efficacité énergétique et aussi le choix du système de cultivation pour couvrir le toit. Et aussi, entre autres, la surface, bien sûr, et de l'enveloppe et la conception de la serre. Donc, c'est le design. J'ai préparé des exemples pour montrer comment nos pilotes de groupe sont très forts dans ces aspects-là, et aussi la période de fonctionnement de la serre et du bâtiment, et je pense que c'est en lien avec ce que Nicolas Brulard a dit, que ça dépend vraiment aussi de l'agriculteur et son mode d'opération. Pour les premiers aspects, si on parle des effets d'isolation du toit, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que, bien sûr, si on pense en grande échelle, c'est parmi les bénéfices les plus intéressants. Par exemple, il y avait la ville de Phoenix, en Arizona, aux États-Unis, a fait une étude pour montrer que ces serres sur le toit peuvent contribuer à diminuer la consommation énergétique pour l'approvisionnement en chaleur dans toute la ville. Et on a analysé plusieurs études et on s'est rendu compte que les vrais effets de l'isolation varient, dépendent des plusieurs effets que vous pouvez voir ici. Donc, ce qu'on a retenu comme leçon à retenir, c'est que la température dans la serre doit être contrôlée. C'est pour plusieurs raisons, pas seulement l'isolation du toit, mais aussi pour la production, bien sûr. Et aussi que c'est de vraiment mesurer ces effets. C'est difficile dans le cadre de notre projet Groove, mais il y a des simulations thermiques qui peuvent fournir ces avantages et vraiment le quantifier. Comme je le vous ai déjà promis, ici sont les exemples pour montrer comment on peut augmenter l'efficacité énergétique dans des cadres réels. Comme par exemple, on peut voir ici. Ok, je vais arrêter. Le cadre de l'IFSB, donc notre pilote à Luxembourg, ils utilisent le mur vers le nord du bâtiment existant et ça augmente l'efficacité énergétique sans vraiment empêcher la production parce que comme c'est la côté nord, ça ne limite pas trop la lumière qui peut entrer dans la serre. Et c'est pareil ici à Jean Blou, qu'on peut voir bien dans la photo que la mur du bâtiment existant sera utilisé aussi comme mur de la serre. Et ça aussi, bien sûr, a l'avantage qu'on peut économiser du matériel de construction.
Pour le deuxième aspect, donc maintenant on a déjà réussi à diminuer notre consommation énergétique en électricité et en chaleur en premier lieu. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour encore améliorer la situation énergétique? Bien sûr, on doit parler de l'approvisionnement en énergie verte. Et il s'agit des synergies entre bâtiments et serres dans les deux sens qu'on peut profiter dans son projet. Comme par exemple, on peut bien sûr utiliser la chaleur perdue du bâtiment existant, ou on peut utiliser aussi la serre comme collecteur solaire pour produire de la chaleur pour le bâtiment au-dessous. Et on va parler de ça dans le cadre du projet Symbiose. Mais avant, si on parle du premier sens d'approvisionnement en énergie, c'est presque fini. c'est important, bien sûr, si vous êtes intéressé de développer un tel projet, vous devez penser ou réfléchir à quel type du bâtiment est-ce que je peux me fournir de l'électricité et de la chaleur perdue. Et bien sûr, il y a deux différents tubes. Très favorables sont ceux qui peuvent fournir de la chaleur perdue pendant toute l'année. Donc, par exemple, le supermarché, les centres commerciaux, mais aussi certaines productions industrielles. Et aussi, il y a des avantages si on utilise des bâtiments qui sont plutôt utilisés pour le résidentiel ou aussi des immeubles administratifs. Parce que là, c'est très intéressant, comme on rassemble beaucoup des gens, on produit beaucoup de CO2. Et cette CO2, cette chaleur perdue qui se trouve dans l'air effluent du bâtiment est aussi très riche en CO2, comme le pilote de l'IFSB a montré, parce qu'ils ont mesuré le montant de CO2 dans l'air qui vient du bâtiment et qui sera utilisé dans la serre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en période de transition, cet effet inverse peut bénéficier le projet. Et un projet qui est parmi notre coaching project, c'est le projet Symbiose à Nantes. Et parmi les autres tiers d'activités, ils se concentrent sur les aspects énergétiques. Parce qu'ils ont investi dans leur projet vraiment avec le but d'utiliser la serre comme collecteur solaire. Et il y a trois facteurs qui sont très importants à considérer ou qui sont en train d'implémenter. C'est en premier que le système de chauffage et aussi de cette collection de l'énergie solaire en chaleur est lié à la météo pour optimiser les conditions dans la serre et aussi dans le bâtiment, et aussi qu'il y a un système de stockage. Pour illustrer ce système de stockage, vous pouvez voir ici que, bien sûr, il y a un décalage entre le temps où le soleil brille et produit de la chaleur et entre la période de l'utilisation dans le bâtiment, parce que naturellement, pendant la nuit ou le soir, on aura besoin de la chaleur qui peuvent être fournies par la serre sur le toit. Et oui, avec ce système-là, c'est ça le deuxième pilier de leur projet, le système de stockage pour cette chaleur récoltée dans la serre. Et ils veulent utiliser cette chaleur dans un bâtiment résidentiel pour fournir de l'eau chaude sanitaire et aussi une petite partie pour l'eau de chauffage. Et ce qui est très intéressant et aussi peut-être une petite inspiration pour les hommes politiques et administratifs qui sont présents aujourd'hui, c'est qu'ils essayent d'intégrer ces aspects énergétiques dans la performance énergétique de bâtiments, donc le PEB, et aussi dans le concept de bâtiments basse consommation. Et le dernier aspect dont je voulais vous parler, c'est qu'on ne peut pas seulement produire de la chaleur avec une serre sur les toits, mais notre partenaire ou le pilote en Allemagne, qui est construit par l'EBF, ils veulent intégrer ces panneaux photovoltaïques dans leur façade pour aussi générer de l'électricité avec la serre. Parce que normalement, il y a peut-être une concurrence entre l'utilisation du toit pour une serre ou pour des panneaux photovoltaïques. Et on peut dire que jusqu'au maintenant, les avantages de cette intégration, c'est la production de l'électricité verte.
Et aussi que ces panneaux photovoltaïques peuvent servir comme écran d'ombrage pendant l'été, parce qu'il y a trop de soleil en fait pour les plantes qui doivent être protégées. Mais bien sûr, il y a l'effet inverse avec cet ombrage pendant les périodes de transition, donc pendant le printemps et l'automne, parce que la serre aura probablement un besoin augmenté en électricité pour l'éclairage de la production. Donc, c'est la fin de ma présentation. J'espère que vous avez retenu les messages principaux. Donc, vous devez investir dans l'efficacité énergétique d'abord et aussi investiguer des opportunités pour utiliser la chaleur perdue et intégrer des énergies renouvelables. Et quelque chose que je n'ai pas mentionné ici, mais je vais faire la présentation sur la conférence LCA Food 2020. S'il y a d'autres aspects énergétiques, bien sûr, maintenant, je vais parler de l'énergie très littéralement, mais il y a aussi les aspects énergétiques intégrés dans l'autre produit et processus dans la serre et dans le bâtiment, comme la fertilisation, de l'eau et des déchets. Et je vous invite de penser un peu plus holistiquement et au système intégré avec des symbioses entre les différents facteurs et aussi à suivre le projet Groove, parce que tous ces travaux que j'ai présentés, c'est en cours. Et on a nos quatre pilotes et aussi les early adopters qui vont nous fournir des autres aspects intéressants dans le cours de ce projet très intéressant. Avec cela, je vous remercie pour votre attention et je donne la parole à mon collègue Guillaume. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler de plantes et de systèmes de production à l'intérieur de ces serres. Et parce que c'est bien de produire, de créer des serres, mais encore faut-il qu'il s'y passe des choses. Et la principale activité qu'on peut y retrouver, c'est quand même la production de végétaux. Alors moi, mon institut travaille pour le ministère de l'Agriculture. On est un institut technique du monde agricole, principalement sur l'horticulture. On travaille un peu en binôme là, dans le cadre de ce projet Groove. Il y a à la fois l'unité nationale auquel je fais partie à Paris, en l'occurrence moi j'habite à Marseille, donc j'étais à Marseille ce matin, et la station Grand Est qui travaille elle à Nancy. Donc c'est des stations d'équipés qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a ici à Jean Blou. Quand on parle de système de production à l'intérieur de ces serres de toiture, il est quand même important de se poser la question des objectifs des porteurs de projet, parce que les niveaux techniques qu'on va retrouver à l'intérieur de ces serres sont assez variables, entre des projets, je dirais, très sociaux, très pédagogiques. Là, c'est une photo, par exemple, d'un projet en région parisienne et à Marseille, qui sont des fermes d'insertion sous des tunnels. On est assez low-tech, entre guillemets. Là, il n'y a pas besoin de haute technologie de production, on va dire, parce que l'enjeu n'est pas absolument la production, mais principalement à la fois la transmission d'informations à des personnes en difficulté ou alors des enjeux très sociaux. A l'inverse, là, c'est une photo prise au Canada, dans les fermes de Loufa, donc c'est un des leaders, je dirais peut-être mondiaux de la toiture, de la serre sur toiture. Eux sont plutôt dans un objet très productif, avec un enjeu massif d'avoir des rendements très importants. Donc les techniques utilisées, elles sont très plus complexes à maîtriser. Donc c'est un peu ce qu'on exprime avec ce diagramme, qui est un petit peu caricatural, hein, parce qu'on peut faire des choses très pédagogiques et sociales tout en utilisant des choses assez high-tech, mais c'est quand même assez rarement le cas. Ça, c'est un peu en introduction. Si on regarde un petit peu dans le détail les systèmes rencontrés dans les serres de toiture, c'est un petit peu les mêmes qu'on retrouve à la fois dans l'agriculture urbaine plus classique. On a d'un côté, je dirais, les systèmes sur substrat organico-minéral. Donc là, on est sur ce qu'on appelle une forme de perf, mais c'est des substrats détravaillés, mais avec à la fois ça peut être de la pouzzolane, de la tourbe. On essaye d'éviter la tourbe quand même en ce moment, des composts, etc. L'idée, c'est d'avoir un matériau qui peut absorber l'eau quand même, mais la restituer assez facilement, donc il est déjà assez paradoxal, et relativement léger, tout en ayant des qualités agronomiques, notamment de fertilisation, importantes. Il en résulte quand même des portances, hein, c'est la portance sur la toiture, assez élevée, hein, on est au minimum à 100 kg au mètre carré saturé en eau. Donc c'est quand même ça ne s'adapte pas forcément à toutes les toitures.
Et puis à droite, on est sur des systèmes plus technologiques, qui sont, j'allais dire, plus nouveaux, mais en fait, ils existent depuis déjà fort longtemps dans le monde agricole. C'est ce qu'on retrouve dans les serres hollandaises, les serres bretonnes, par exemple. C'est ce qu'on appelle l'hydroponie. Donc, c'est, l'hydroponie, c'est de l'eau et des fertilisants, hein, et le système raffinaire absorbe cette eau, ces eaux et ces fertilisants. Et puis à votre droite, c'est des techniques un peu plus poussées, là, c'est de l'aéroponie, donc là, c'est de la brumification sur les racines. Donc c'est de l'eau sous forme de brume avec des fertilisants. On a une capacité d'absorption de ces taux et de fertilisants plus intéressante, et du coup, on a des rendements légèrement supérieurs, hein, avec l'aéroponie. Tout ça peut être mis à l'horizontale, comme vous le voyez là-haut, ou à la verticale. Là, je vais quand même rappeler les portances. Pour nous, c'est un sujet important, portance importante, parce qu'on est sur toiture, on est lié au bâtiment, et de ce fait-là, on est à, c'est une donnée très importante quand on est un porteur de projet et qu'on souhaite implanter des choses sur la toiture. Donc là, on est sur des portances de 35 à 60 kg maximum sur le toiture en dos. Ça comprend le végétal, bien sûr. Il existe des innovations qui sont encore rares, ça reste des sujets pionniers, je dirais. Le premier, ce sont les carousels de culture, où là on est sur la verticalité, c'est même pas des tours statiques, on est sur des tours dynamiques. Donc là on a carrément des petits moteurs qui vont faire circuler les plantes de haut en bas. Ça reste très... Il y a des projets très importants à Singapour, hein, il y a plusieurs hectares qui utilisent ces techniques-là. En Europe, ça reste encore minoritaire. Là, j'ai pris des exemples aussi pour dire que sous terre, en toiture, on peut aussi utiliser des mix de type indoor farming, donc c'est verticaliser un petit peu la production avec différents étages et des LED. Ça, c'est pour les systèmes un peu technologiques. Et puis, il y a des systèmes qui sont, je dirais, plus low-tech, en tout cas plus en lien avec le métabolisme de la ville, donc avec les flux de matière de la ville, notamment. Alors là, c'est des essais qu'on a menés sur le recyclage des biodéchets de restaurants, des urines, et comment ça peut devenir aussi des fertilisants utilisables en agriculture urbaine. C'est le projet techno, notamment. Et puis, on mène aussi des travaux, hein, comme ici, d'ailleurs, à Jean Blou, sur l'aquaponie. L'aquaponie, c'est vraiment le mélange poisson et plantes, les déjections des poissons servant à fertiliser les plantations. Donc là, il y a vraiment une synergie au sein du système de production. Il y a encore besoin un petit peu d'expérimentation, mais il y a de plus en plus de porteurs de projets qui utilisent cela. Ça interroge quand même sur toiture, hein, vous avez tout de suite imaginé ça, je pense. Les grosses cuves que vous voyez là, c'est des portances importantes. Hein. On est sur plus de 500 km², voire 800 km². Donc, les poissons peuvent être mis en bas aussi, hein, pas forcément sur la toiture, tout ça est à dimensionner. Bon, je vais accélérer un tout petit peu en vous parlant de rendement en fonction des différentes techniques. Vous imaginez bien qu'on n'a pas les mêmes rendements en fonction des techniques qu'on utilise. Les techniques à base de substrat plus classiques, on est pour la tomate de l'ordre de 5 km² de production de tomates, versus les techniques aéroponiques poussées, on peut aller jusqu'à 50, 60 km². Ça interroge à la fois sur la perception des consommateurs, hein, vis-à-vis de ces différents systèmes, la qualité nutritive et la qualité gustative. Nous, on a fait pas mal d'essais qui montrent en fait qu'il y a très peu de différence en qualité gustative. Ce qui est très important sur le gustatif, c'est surtout la variété, et je vais en parler juste après, le végétal. La quantité de photons, donc la lumière qui vient heurter la feuille, et puis aussi le transport, bien entendu. Les différentes plantes qu'on peut imaginer, on est souvent dans le cadre de l'agriculture urbaine, on va rechercher des segments de niche, hein, on va essayer de ne pas être en concurrence avec les agriculteurs plus classiques. Nicolas, vous avez juste parlé rapidement des urban farmers, qu'on a bien décortiqué avec le collègue Nicolas Rancion. Un des gros sujets, c'est qu'ils utilisaient des végétaux presque classiques dans leur production, à la fois de la tomate et de la salade, alors qu'à proximité, à moins de 10 km, il y avait des plus grands producteurs européens de tomates. Donc il y avait déjà ce choix de gamme qui était questionné. Donc nous, on observe beaucoup sur les micro-pousses, ultra-fraîches, des légumes feuilles, encore une fois des mesclins coupés et tout de suite vendus aux consommateurs, des aromatiques pour les chefs, etc., avec des gammes de basilic, ananas ou autres plantes originales en aromatique. Pour les fruits et les légumes, on va aller aussi sur des gammes, encore une fois, originales, donc de couleurs, de textures, de goûts, voire même des légumes anciens. Alors, peut-être pas avec des techniques de production comme sur cette photo, hein. Là, tout ne pousse pas en hydroponie non plus, il faut faire attention. Et puis, les autres plantes originales qu'on peut avoir, ce sont encore une fois des marchés de niche, mais qui commencent à grandir, à la fois la chimie verte, la pharmaceutique ou autres...
ou autres cosmétiques sont intéressés par des productions qui peuvent être collées à leurs industries. Donc là, on est peut-être plus dans du périurbain. Là, c'est l'exemple de la camomille, par exemple. J'ai observé aussi de la production de vanille qui est en train d'arriver. Donc là, ça requiert de l'énergie. Hein. C'est l'énergie grise, l'énergie pour arriver à produire de la vanille se questionne. Mais en tout cas, il y a un marché pour relocaliser certaines productions. Et puis, plus classiquement, mais on le voit apparaître aussi, la production horticole de plantes à destination de la renaturalisation de la ville. Je dirais les jardins, ça peut être pour des jardins collectifs, jardins amateurs. Il y a un vrai marché aussi, et ça interroge ma filière, moi, horticole, sur la relocalisation urbaine d'une partie de sa production. Et puis, je vais terminer par, grâce au projet Groof, on a pu pousser un petit peu la recherche. Donc, c'est de la recherche très appliquée. Hein, ce n'est pas la recherche fondamentale qu'on mène. On a creusé un peu le sujet des systèmes de culture. On a testé plusieurs systèmes pour voir lequel était le plus adapté au pilote qu'on allait bâtir. Donc, il y avait dans la station Est Horticole que je vous ai montré tout à l'heure, et puis avec le partenaire, les fermes de Galic, on a croisé les recherches. On a testé 4 systèmes de production, 2 en hydroponie horizontale, 1 en hydroponie verticale, et puis un autre sur substrat dans des bacs de production. On a testé 4 végétaux, pardon, la salade, la blette, le poivron et le basilic. Bon, je vous montre juste un résultat, mais ça, tout est disponible, hein, bien sûr, en téléchargement sur le site de Astrodor et dans les guidelines de Groof. C'est juste un extrait sur la salade, les conclusions. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des produits qui sortent de ces fermes qui, des fois, ne sont pas officiellement bien classés en termes de commercialisables, le produit commercialisable, c'est-à-dire qu'ils ont des feuilles un peu nécrosées, ils ont des tailles et des masses assez petites. Donc là, ils ne sont pas forcément adaptés au marché classique sur de la grande surface ou selon les critères européens. Mais donc c'est quand même important. Mais les agriculteurs urbains parfois peuvent aussi vendre ces produits-là sans aucun souci avec un marché de niche et spécifiquement local. Donc le classement que vous voyez au milieu sur la qualité de la production commercialisable, 2,7, c'est le GHE Aeroflow. Donc ce sont des systèmes horizontaux en hydroponie qui ont la meilleure qualité de commercialisation. Mais les rendements étaient intéressants, 3,6 kg au mètre carré. Ils n'ont rien à voir avec des rendements de culture, bien sûr, vous l'imaginez, de tour vertical, hein, qui par contre produit des salades qui, d'après nos expérimentations, sont de moins bonne qualité au niveau de la commercialisation. Je ne sais pas si c'est très clair tout ça. Alors là, je vous évite, mais c'est les différents facteurs de choix lorsqu'on est un agriculteur urbain et qu'on souhaite choisir un système de production. Il y en a plein, il y a les prix, il y a l'électricité qu'on consomme, il y a le poids, il y a les différents rendements, etc., etc. Tout ça est détaillé dans le rapport, si vous voulez aller plus loin. Moi, je vous propose de retenir ces quelques points, à la fois la technicité du système, sa mise en œuvre, sa résilience, parce que dès lors qu'on a une panne de courant, comment le système peut réagir, hein, et c'est là que le substrat de pleine terre, avec du sol, a plus de capacité de résilience qu'un système hydroponique, par exemple. On a déjà vu des fiascos sur toiture à cause de ça. La facilité de gestion qui est reliée. Alors là, c'est lié à la compétence des agriculteurs urbains. Tout n'est pas si simple à mettre en œuvre. Je parlais de l'aquaponie tout à l'heure. Ça requiert un certain niveau technique d'importance. Le coût d'investissement, bien sûr, lié au modèle économique de l'agriculteur urbain. Les productions envisagées, stratégie du projet. Est-ce qu'on est sur quelque chose de très productif, plus social? On va adapter aussi le système de production. Voire avoir différents systèmes de production. Les jardins perchés, par exemple, à Tours, c'est plutôt un mix de systèmes de production à but démonstratif et pédagogique. Et puis, pour faire le lien avec Marcel, qui va vous parler juste après des enjeux de construction, bien sûr, le dimensionnement de ces systèmes, tout n'est pas adapté à la morphologie de la serre. Hein. Une serre, ce n'est pas forcément carré, ça peut avoir des formes complexes, en L, des formes en long. Et là, les systèmes de production doivent être aussi assez souples pour pouvoir être efficaces et s'installer dans différents contextes spatiaux. Et puis, vous l'avez compris, la portante, hein, le poids chargé en eau de notre système, c'est quand même là où il y a une interaction extrêmement forte avec le bâtiment. Et la portante reste le nerf de la guerre. Voilà. C'était assez rapide, mais je vous remercie pour votre écoute. Je passe la parole à Marcel. Je vais attendre d'avoir de quoi passer les dias. Merci.
que je me présente Marcel de Ravet, je suis ingénieur civil des constructions. Je travaille à l'IFSB, un centre de formation sectorielle du secteur de la construction au Grand-Duché de Luxembourg. Et donc, en cette qualité, je me suis plus attaché dans le projet groupe de tout ce qui est, en effet, résistance des bâtiments sur lesquels on vient poser cette nouvelle structure qui n'est peut-être pas prévue initialement, qui sera prévue peut-être sur des nouveaux bâtiments, puisqu'on aura affaire, dans notre cas, avec des bâtiments ici à Jambou qui existent, sur lesquels voilà, on veut créer une serre, un bâtiment à l'IFSB qu'on construit et sur lequel on va mettre une serre. Donc les critères vont être différents, les possibilités vont être différentes et je vais essayer de passer en revue une dizaine de points, des points qui sont valables que ce soit pour de la construction nouvelle ou ancienne et trois points plus particuliers sur les bâtiments plus anciens et pour voir ce à quoi on devrait faire attention. Alors dans le premier point, type de structure du bâtiment, on a quand même beaucoup de variétés et il y a des variétés qui vont être plus propices à accueillir une serre sur le toit. Alors, on a des bâtiments en bois, on a des bâtiments en béton, on a des bâtiments en acier. Si je prends un hall industriel, souvent la toiture du hall industriel est faite vraiment à minima. On a une charge accessible au-dessus d'une quarantaine de kilos plus les charges climatiques, ce qui est très peu, et donc ce sera très peu accessible et utilisable, je vais dire. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas possible de renforcer les choses, et quand vous voyez ici une structure métallique bien renforcée, là, on a quand même la possibilité de venir mettre des charges importantes. Une structure béton, on dirait a priori, on a un peu plus de possibilités aussi. Tout ça, ça doit être étudié, adapté en fonction des éléments que je vais vous donner par la suite. Deuxième chose, c'est le bâtiment, il n'est pas tout seul. Il est dans un quartier, il a un environnement et cet environnement a une influence non négligeable. Il y a un ombrage qui peut se faire sur la serre. Si le bâtiment est au nord, tout va bien, il va le protéger. S'il est au sud, ça ne sera pas du tout adapté. Mais la serre aussi a une influence sur ce qui se passe autour. Elle va créer aussi un impact visuel, notamment. Ici, je me suis amusé un petit peu, puisque je suis en Belgique, et j'ai pris le cas de, ce n'est pas une serre, mais c'est le genre de choses qui peut se faire, de la maison de culture de Namur. Voilà la vue qui était depuis les appartements en face de la maison de la culture. On a rénové la maison de la culture et voici la vue que maintenant ont les gens qui sont en face. Est-ce que c'est mieux, c'est moins bien? Bon, eux se plaignent un peu quand même. Ils préféraient voir la citadelle de Namur. Si vous venez avec une serre sur un toit, il y a un impact. Il faut tenir compte aussi du voisinage. Et voir si ça ne va pas poser un problème particulier. Également, si on est dans une zone avec de fortes activités, de la poussière, ce genre de choses, ça va vouloir dire qu'il va falloir aussi nettoyer plus souvent le vitrage de la serre pour que la production soit la plus efficace possible. Donc, le lieu où on construit, ce n'est pas seulement la toiture, c'est aussi l'environnement qui est important. Les charges, on en a parlé plusieurs fois pendant les exposés. Pour ça, il faut se référer à des poids volumiques, c'est ça qui va nous permettre de savoir de quoi on parle. De la terre humide, 1800 kg par mètre cube. On peut avoir de la terre plus légère avec des substrats allégés. On va diminuer assez largement, mais vous voyez tout de suite, si vous mettez un bac de 50 cm avec de la terre un peu argileuse, vous avez 900 kg par mètre carré. Il y a peu d'endroits où on a la possibilité de mettre 900 kg. Donc, l'hydroponie devient tout de suite très intéressante avec les poids. Bon, j'ai pris un poids moyen de 40 kg par mètre carré. Et là, on se dit, là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. On a parlé de l'eau, les bacs pour les poissons si on fait de l'aquaponie, mais aussi les réserves d'eau. On a besoin de réserves d'eau pour irriguer notre plantation. Et cette réserve, elle n'a peut-être pas sa place en toiture. Vous savez qu'un litre d'eau, c'est un kilo, donc 1000 litres d'eau, une tonne, et ce sera sur un mètre cube. Donc de nouveau,
difficile à mettre en place sur une toiture existante ou nouvelle, parce que ça va demander une structure. Ce n'est pas impossible, il faut juste bien le positionner, mais ça peut se trouver au sous-sol. Les pompes peuvent remonter assez aisément ce genre de fluide, et donc on a une possibilité intéressante. On a parlé de l'utilisation de la serre. Si c'est une utilisation uniquement de production, ben on a un ouvrier, deux ouvriers, trois ouvriers qui travaillent dedans. On a des charges d'utilisation, hormis les végétaux, de 150 à 200 kg par mètre carré pour les professionnels qui passent donc entre les cultures. Si c'est accessible au public, on va avoir des obligations réglementaires. Et là, on va être dans des 400-500 kg par mètre carré de charge minimale. De nouveau, c'est quelque chose de complètement différent. Et on a intérêt, au moment où on construit le bâtiment, on dit « je vais faire une serre sur le toit », à savoir dans quel objectif, parce qu'on devra adapter les surcharges d'utilisation. À point de comparaison, si vous voulez savoir, dans un bureau, on prend une charge par mètre carré d'utilisation, nouveau, de 250 kg. Dans du logement, c'est du 150 à 200 kg par mètre carré. Ça vous donne un peu un ordre de grandeur par rapport à ça. Les accès, c'est indispensable. Il ne faut pas oublier que c'est une production. On doit avoir des gens qui manipulent des cajots, qui montent, qui descendent. Ils ont des sacs avec des nutriments. Ça ne vient pas sur une échelle. Hein. On ne va pas pouvoir travailler en montant sur une simple échelle à crinoline. Donc, il faut un accès ascenseur, c'est le grand luxe, mais ça peut être aussi un escalier. Ça peut être un escalier qui est prolongé dans un bâtiment. Ça se voit peut-être pas très bien ici, mais voilà, on est dans un escalier, une cage d'escalier. La toiture est ici au-dessus. Il est possible de prolonger et de percer la toiture, de faire cet accès facile. De même, on peut prévoir aussi une façon de faire descendre par l'extérieur, par un mont de charge, les différentes utilisations en substrat et autres nécessaires. Et donc, il est très important de prévoir ces différentes accès et des accès sécurisés, ainsi que la toiture qui doit être sécurisée dans l'utilisation, mais aussi dans la construction de la serre. Ça, c'est une étude qui se fait spécifiquement par rapport à ça. Mais si vous avez une zone accessible devant la serre, il faut penser autour à avoir des garde-corps qui respectent un peu la protection des personnes qui viendront sur l'espace ainsi disponible. Les matériaux de la serre, elles vont être en aluminium, en acier, éventuellement en bois. Bon, il va falloir la poser sur le bâtiment. Là, ça pose moins de problèmes que tout ce que je vous ai donné comme charge avant, parce qu'on va aller rechercher des porteurs, on va aller rechercher les murs, on va aller rechercher les poteaux, et comme c'est quelque chose d'assez léger, ce n'est pas un gros problème de venir rajouter ce poids sur un bâtiment ancien ou le prévoir sur un bâtiment nouveau. Malgré tout, il va falloir aussi tenir compte de l'effet du vent. Le vent va avoir des influences fortes sur la poussée, et donc il va falloir plutôt ancrer notre serre, et ce sera plus là le problème. Et qui dit ancrer, ça veut dire aussi percer peut-être l'isolation, l'étanchéité. Est-ce que c'est conforme avec ce qui est en dessous? Donc l'adéquation entre les deux, c'est des détails bien pratiques, bien clairs, qui sont résolvables. Hein. Sans souci, vous voyez quelques exemples de poteaux qui sont posés sur quelque chose qui a été convenablement étanchéisé. On a aussi des structures qui sont ancrées correctement. On peut les poser aussi sans ancrage, mais à ce moment-là, il nous faut un socle qui va reprendre ces effets de soulèvement et qui sera posé dessus. Alors, les locaux supplémentaires, j'en ai parlé, pas les oublier. Les réserves d'eau, les réserves pour les nutriments, les lieux pour manipuler, pour empaqueter, etc. C'est important de prévoir tout ça avec les charges adaptées.
prévoir aussi que la toiture, elle n'est pas uniquement disponible pour une serre, mais on a besoin aussi de zones pour faire sortir la ventilation, qui sera utile, mais il y a de la machinerie. Il peut y avoir des panneaux solaires qu'on doit choisir l'emplacement par rapport à ça. Il peut y avoir des canalisations, donc ce n'est pas canalisation de ventilation, ce n'est pas sans aucune question de ce point de vue-là. Dans les bâtiments anciens, trois points très importants, l'expertise du bâtiment, les renforcements et l'accessibilité dans le sens est-ce que le toit sera adapté par rapport aux charges. Donc très vite, un ingénieur, un architecte vont pouvoir donner une opinion. Si on a les plans, si on a les notes de calcul de base, pas de souci. S'il n'y a rien, il va falloir recalculer. Ça demande vraiment une expertise et un professionnel qui pourra vous dire comment ça se passe. Les renforts, c'est faisable. Ça peut être au-dessus de la toiture. On a un exemple ici à Bruxelles de quelque chose qui a été fait sur des socles et on a une structure métallique complète au-dessus et ça fonctionne bien. Ça peut être en dessous. On peut même renforcer des dalles en béton avec des plaques carbone qui sont collées et on arrive à faire un travail de qualité de ce point de vue-là. Donc, rien n'est impossible. Après, il faut voir financièrement si on en sort par rapport à ça. Et donc, le troisième point, le bâtiment, il n'est pas isolé. Tant mieux. Notre serre va amener une isolation. Elle va amener une qualité supplémentaire. Il est isolé. Est-ce que l'isolation, on peut marcher dessus? Est-ce que l'étanchéité qui est sur l'isolation va permettre une circulation aisée? Ça ne va pas se poinçonner, ça ne va pas se déformer. Donc là, c'est aussi un point particulier sur lequel on va faire attention. Je vous donne quelques exemples d'isolants avec leur capacité portante. Ils ont aussi une capacité, si vous mettez la laine de roche basse densité, si vous marchez dessus, vous sentez que vous vous enfoncez dessus, ça ne va pas être adapté. Vous avez d'autres matériaux qui, eux, sont tout à fait adaptés. Voilà. Je laisse la place aux questions, puisque c'est le moment. Et donc, on va être à votre disposition pour répondre à différentes questions. Et je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à notre ami Nicolas. Merci beaucoup pour cette présentation. Comme on l'a vu, développer et mener à bien un projet de serre-toiture risque d'être un petit peu plus compliqué qu'organiser une balade en vélo. Néanmoins, grâce à nos experts, on a pu voir ensemble quelques clés qui vous permettront de mener à bien ce projet. Et évidemment, en 10-15 minutes chacun, on n'a pas eu le temps de voir tous les tenants et aboutissants à un tel projet de serre en toiture. Donc, si vous êtes intéressé par tout type d'agriculture urbaine et ou par les serres en toiture, on vous invite à venir nous poser des questions, même par la suite, durant la journée, sur nos réseaux sociaux, via le site internet ou alors par email. Donc, je vous invite, les présentateurs experts, à me rejoindre ici et on va répondre aux questions qui ont été posées sur le Slido. Et pour ça, je donne la parole à mon collègue Pierre Roulier. Ça a l'air d'être en cours d'allumage. Voilà. Donc, vous avez posé une série de questions et n'hésitez pas à alimenter le Slido en question. On va voir en fonction du timing ce qu'on peut faire. Alors, il y a une première question qui va être, à mon avis, plus pour Ulrich, qui est avez-vous une idée de la quantité d'énergie qui peut être sauvée dans un projet de serre en toiture? Donc, quelle quantité d'énergie ou quelle proportion d'énergie peut être sauvée grâce au couplage de la serre et du bâtiment, finalement? Je vais utiliser celle-là.
Merci pour cette question. En fait, ça dépend vraiment du projet, comme on a montré les différents facteurs. Pour le cadre de Jean Blou, il est calculé que grâce à l'utilisation des matériaux de construction qui ont une bonne efficacité énergétique et l'utilisation du mur vers le nord, l'économisation de l'énergie pour le chauffage sera à 13%. Et si on parle de l'isolation du toit, donc c'est seulement ces effets-là, ça dépend bien sûr toujours des aspects qu'on prend en considération. Pour les économies de l'énergie et pour le fait de l'isolation sur le toit, ce que j'ai analysé pour le projet jusqu'à maintenant, c'était 5 différentes études qui étaient dans les divers cadres géographiques et climatiques au Portugal, en Espagne, aux États-Unis et aussi en Europe, un peu partout. Et ils ont calculé que ça dépend vraiment de plusieurs facteurs et on peut économiser entre 2% à 13% de l'étage le plus haut dans un bâtiment existant grâce à l'installation d'une serre sur la toiture. J'espère que ça fournit les informations. Merci Ulrich pour la belle réponse. Alors, on va passer maintenant à une question qui est plutôt business model et viabilité économique. En fait, il y en a deux, donc je crois que je vais les coupler ensemble. La première, c'est la construction d'une serre en toiture coûte cher. Comment rendre ce type d'infrastructure viable économiquement? Comme on dit, c'est plus pour Nicolas, mais peut-être que Guillaume aura son avis. Et alors, un autre point qui est pas mal, c'est au vu du coût d'une serre sur toit, ne risque-t-on pas de rendre un projet viable au vu du coût d'une serre sur toit, est-ce que pour rendre un projet viable, on ne finit pas par faire une agriculture haut de gamme et réduire les accès au public de l'espace? Ok, c'est une vaste question. Alors, sur la première partie qui était comment on rend un projet viable, il y a plusieurs réponses. D'une part, la première, c'est on peut choisir le type de serre. Typiquement, nous, on a choisi une serre qui est non accessible au public, parce qu'on a d'autres espaces pour que ce soit accessible dans notre pilote. Et donc, en fait, on va être une serre qui va coûter à peu près, jusqu'à la partie serre, environ 100 000 euros. Si vous partez sur de la serre en verre, là, on est sur une serre comme une serre agricole, sur un toit. Si vous partez sur une serre en verre, vous pouvez aller à 400, 500, 600 000 euros facilement pour la même surface de quelques centaines de mètres carrés. Donc, déjà, la question de à quoi sert notre serre, est-ce qu'on doit la faire en verre ou est-ce qu'on peut la faire dans un autre matériau, pas déjà juste sur le coût. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on fait dedans. Beaucoup de serres en verre sont faites comme ça parce qu'elles répondent à des normes aussi pour accueillir du public, parce qu'on peut espérer faire des formations, faire des événements qui vont être plus rémunérateurs et qui vont participer à créer aussi une identité, à créer une marque autour de cette serre et donc potentiellement, effectivement, et ça fait lien avec la deuxième question, d'aller chercher des marchés de niche et d'aller vendre plus cher les produits. Voilà. Et la troisième chose sur le financement, c'est que ce n'est pas forcément l'agriculteur qui le paye. C'est-à-dire que la serre, à partir du moment où elle rend service au bâtiment, dans beaucoup de projets, c'est sur du bâtiment neuf notamment, mais aussi sur la réhabilitation, c'est le projet immobilier qui va la payer. Donc c'est l'ensemble des acteurs qui sont présents ici, qui sont présents dans le groupement, c'est le promoteur, c'est le propriétaire du bâtiment, c'est les collectivités qui vont payer pour l'image ou pour le service rendu en valorisation des eaux, en économie d'énergie, pour la serre. Donc le producteur ne va pas forcément payer, et dans la plupart des cas, il sera incapable de payer s'il veut un modèle économique viable, l'intégralité de la serre. Voilà. Et sur la deuxième question, oui, l'agriculture urbaine est globalement un marché de riches. Voilà. Et les serres en toiture sont parmi les sujets les plus coûteux sur le sujet. Et donc, quand elle est toute seule, on va cibler effectivement des publics spécifiques, sauf si on a des financeurs qui aident. Mais après, c'est peut-être que pendant un moment, parce que ça, c'est l'enjeu du projet groupe, c'est aussi de faire évoluer les pratiques des fabricants de serres, les pratiques des gens qui vont proposer ces projets pour qu'on ait des coûts qui soient plus raisonnables. Et donc, demain, des produits qui puissent être moins chers. Et c'est tout l'enjeu d'arriver, en s'y mettant à plusieurs, à essayer de changer un peu la filière pour avoir des coûts plus raisonnables. Merci pour cette question. Alors, j'ai maintenant une question plus construction, qui est
lorsque quelqu'un identifie une toiture, qu'est-ce qu'il doit faire pour connaître la résistance de son bâtiment? Alors, je suppose que c'est une toiture existante, hein, dans ce cas-là, on va dire ça, dans l'identification. Donc là, la première chose, ce sera d'aller chercher les informations, d'aller à la pêche aux informations auprès du propriétaire, d'espérer de retrouver des plans, des notes de calcul, et là, c'est très facile, on a toutes les informations qu'il faut. Si on n'a aucune information, pour moi, à 99%, il faut aller prendre l'avis d'un professionnel qui pourra donner un avis plus ou moins facilement en fonction du type de bâtiment. Mais sinon, ce n'est pas une question facile et évidente à répondre, sauf quand on retrouve les informations de base, ce qui est fréquent, mais pas tout le temps. Voilà. Merci. Alors, il y a une nouvelle question qui est assez complexe. Donc, c'est, est-ce qu'en France, le gouvernement ou les villes soutiennent une stratégie d'agriculture urbaine qui promeut les serres sur toiture? Et si oui, pour la production ou pour les projets sociaux? Quel serait le but de ces projets? Ça, c'était bien, Guillaume. Pour la France, il n'y a pas de dynamique nationale pour le moment sur les serres en toiture. Il y a des dynamiques régionales ou locales, notamment la plus connue, c'est celle de Paris, avec ils vont jusqu'à modifier le plan local d'urbanisme pour favoriser l'implantation de serres. C'est-à-dire que les urbanistes, maintenant, peuvent, dans le centre de la ville de Paris, bâtir des serres sans avoir de limitation au niveau urbain. Je regarde la ville de Nantes là-bas, je pense que ça doit être la même chose aujourd'hui sur Nantes. Donc pour moi, la réponse, elle est plutôt territoriale, locale, que nationale au niveau des serres sur le toit pour le moment. Après, ça rentre dans les stratégies plus globales du monde du bâtiment, RT 2012, réduction énergétique de la facture au niveau du bâtiment, mais il n'y a pas de stratégie pour le moment nationale sur ce sujet-là en France. Ça reste des enjeux très, très localisés. Ok, ben merci. Je ne sais pas si quelqu'un a rien à rajouter. Alors, on arrive un peu à la fin du timing alloué pour les questions. Donc, il reste encore des questions en suspens. Certaines vont être répondues dans les présentations qui suivent. Et puis, pour les autres, ben, n'hésitez pas plutôt à venir causer directement avec nous à d'autres moments de l'après-midi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut les applaudir bien fort. Je vais maintenant passer la parole au professeur Aïssam Jijakli, qui est directeur du Centre de recherche d'agriculture urbaine, qui est cofondateur du projet groupe qui vient de vous être présenté, qui est également cofondateur de plusieurs spin-offs émanant de l'Université de Liège, des recherches, notamment une GreenSurf qui est dans la salle, liée évidemment à l'agriculture urbaine, et qui est également coordinateur de la plateforme Moisabi. Donc je vais laisser conclure cette masterclass et introduire le reste de la journée. Il faut laisser la présentation. Il faut laisser la présentation pour conclure. Voilà, au terme de cette belle présentation, cette belle masterclass, je pense déjà que Nicolas m'a présenté et que vous me connaissez. Donc, je voulais surtout insister sur le fait qu'effectivement, il y a quelques années, on a discuté avec Francis, on a rêvé, et puis un des premiers projets que l'on a développé ensemble et qui est un beau projet, c'est le projet Groove. On a le plaisir aujourd'hui de commencer à voir les résultats après 3 ans de travail intensif. Et ce qui est important à dire pour la suite et d'insister par rapport à notre bailleur de fonds quelque part, ce sont les livrables et les délivrables. Et donc on est en train de les respecter en grande partie. La première chose, c'est qu'on est en train de travailler au développement d'un guide de bonnes pratiques pour mettre en place ces serres en toiture. Vous le voyez bien, après cette heure et quelques, en compagnie de nos experts, vous le voyez, il faut de l'expertise, et c'est grâce à ces experts, et grâce à une collection de données dans la littérature, mais aussi et surtout dans le monde pratique,
que l'on a pu développer ce guide et qu'il est en cours de réalisation. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, une deuxième mission importante de groupe, c'est un accompagnement des, ce que nous appelons dans notre jargon, les early adopters, donc les personnes qui se lancent dans l'aventure, les porteurs de projets qui n'ont pas froid aux yeux et qui ont vraiment envie de développer ce type de sphère en toiture. Et donc, on les a accompagnés, on en a sélectionné 10, on les a accompagnés pendant plusieurs mois, et au terme de cette période d'accompagnement, nous avions convenu dès le départ d'en sélectionner quelques-uns pour aller jusqu'au bout du projet avec nous, essayer qu'eux, surtout, aillent au bout de leur projet. Et la semaine passée, on s'est réunis, et la discussion a été assez intense pour voir quels sont les coachés early adopters parmi les 10 lesquels nous avons retenus. Et je pense que c'est une bonne occasion aujourd'hui de les présenter. Et donc voilà le résultat de l'accompagnement. L'accompagnement qui va continuer. Il y a 5 projets qui ont été retenus et porteurs de projets sur les 10. Au début, on voulait en sélectionner normalement 4. Et puis, il y a vraiment eu un consensus de tous les partenaires pour dire qu'il y a de l'espace pour 5, étant donné la qualité de ces 5 partenaires, de ces 5 early adopters, pardon. Et je peux vous dire que, vous l'avez vu aussi, nous avons des experts qui aiment beaucoup mettre des paramètres. Et je peux vous dire que la semaine passée, ça a beaucoup discuté avec des paramètres et des critères pour arriver à cette finale et cette sélection. Donc, vous l'avez affiché devant vous. Il y a Tours avec les toits perchés, les jardins perchés qui ont été retenus. Il y a le projet à Nantes avec Symbiose. Il y a Toits vivants. Il y a Cueillette urbaine. Donc, ces 4 projets, ce sont des projets français. Et il y a un petit projet belge qui a aussi été retenu, qui est le projet L'Entrepôt, qui est sur Bruxelles. Voilà, donc, ces 5 porteurs de projets, nous allons continuer à les chouchouter pendant quelques mois, jusqu'à encore au moins 6 mois. Et ils vont pouvoir profiter des compétences transversales qui ont été exposées aujourd'hui et que vous avez pu voir. Et donc, nous allons continuer évidemment à développer ses expertises, notamment aussi grâce aux sites que nous mettons en place, hein, les sites pilotes. Et donc voilà, une dernière fois, regardez bien tous les partenaires, beaucoup d'énergie grise, beaucoup de matière grise qui sont là réunies. Oui, on parle beaucoup d'énergie avec Groove, et donc d'où le lapsus. Et donc j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble pour la suite et pour continuer à renforcer cette filière qui, Francis nous l'a dit au début, rencontre parfois des difficultés, mais nous sommes là aussi pour résoudre les problèmes et trouver des solutions avec eux. Voilà, je vous remercie. Et donc maintenant, nous allons petit à petit passer à la fin de la journée au niveau des présentations, à savoir l'inauguration de Wasabi. Les piles sont mortes. Ok. Et donc, pour cette présentation, donc maintenant on arrive petit à petit au moment solennel de la journée. On va avoir une présentation de tous les sites et le potentiel de Wasabi. Évidemment, nous avons été accueillis et soutenus par la faculté, et donc je voudrais inviter notre doyen, M. le professeur Frédéric Francis, à nous donner quelques mots sur cette aventure. Bien, bonjour à tous. Je ne vais pas commencer par vous accueillir dans ce mur de jambou, parce que vous y êtes déjà depuis quelques heures, donc je pense que vous avez eu l'occasion d'apprécier effectivement l'environnement qui est le nôtre au quotidien. Donc on est évidemment bien conscient de
de cette chance, mais on est aussi très content, évidemment, à chaque fois qu'on peut réunir un certain nombre d'intervenants, de collaborateurs, et finalement, de ces aspects, de pouvoir développer ensemble un certain nombre d'idées communes. Alors, je ne vais pas être très très long, mais donc, effectivement, la faculté de Jean Blou, il y a d'une part un aspect qui est plutôt historique et de tradition. Je pense que les murs dans lesquels nous sommes pour l'instant en est une illustration. Maintenant, il y a aussi tout l'aspect de l'innovation et des visions sur ce qui est effectivement les perspectives au niveau, non pas uniquement de l'agriculture, et donc là aussi, la faculté des sciences agronomiques, et puis maintenant Jean Blou Agrobiothèque, c'est aussi avec une vision de se dire que l'agriculture, la production, la valorisation, c'est un des éléments, mais ça va bien au-delà. Et donc c'est vraiment avec plaisir aujourd'hui que j'ai cette occasion d'introduire la dernière partie plus officielle au niveau de cette journée ciblée, au niveau de la diversité de ces cultures, de ces productions, de ces innovations au niveau urbain, et donc simplement pour se rendre compte que le projet, la plateforme Wasabi, dont on n'est pas peu fier, y compris du nom, avec quand même une petite touche de piquant par rapport à cet acronyme, au moment où on a dû la sélectionner. Et donc, ça vient se mettre évidemment dans un cadre plus global. On a l'occasion, vous avez eu l'occasion de voir le centre Terra, qui est à un moment donné aussi une vision de recherche et de laboratoire, j'ai envie de dire, à l'intérieur. On conçoit vraiment cette plateforme Wasabi comme étant aussi vraiment une ressource des facilités au niveau de cet extérieur. Et donc, on va avoir l'occasion de la visiter, de l'inaugurer aujourd'hui. En tous les cas, pour la faculté, c'est un projet qui s'est mené depuis un certain nombre d'années. Et donc, toute cette concrétisation, ça a pris du temps, mais c'était aussi avec finalement le relais d'un certain nombre de personnes qui ont pu se succéder par rapport au personnel, par rapport aux différents acteurs, et donc de se retrouver ici avec cette interaction entre des collaborations, cet aspect de réseau international européen, mais aussi dès le début, cet ancrage local Jean-Boutois, et donc c'est quand même avec un petit peu de chauvinisme Jean-Boutois de dire que cette plateforme, ça reste quand même quelque chose d'original, qu'il n'y en a pas beaucoup effectivement de cette ampleur, et c'est pas à vous que je vais, j'aurais dire, le démontrer, et donc je ne vais pas être effectivement plus long, mais tout en sachant que ces aspects d'agriculture urbaine et cette vision d'innovation, c'est évidemment en plein dans la suite logique quelque part de ce qu'on vit depuis un certain nombre de mois. Donc voilà, cette année-ci, on aura une rentrée académique particulière aussi à Jean Blou. Le thème est résilience et innovation. Je pense que pour l'innovation, on en a déjà suffisamment parlé. Et la réflexion à un moment donné de ces aspects de résilience, même si c'est très large, je pense que je vais tout de suite céder la parole à M. Dussemain juste pour la suite de cette séance un peu plus solennelle pour la présentation d'une des deux parcelles. La deuxième sera effectivement Wasabi. Donc, je ne peux que finalement vous souhaiter une bonne fin de journée, et pour ceux qui n'auraient pas encore eu cette vision d'idée concrète, je vous attends d'ici, quelques instants, peut-être quelques heures. Donc, profitez bien, en tous les cas, c'est le cas ici pour l'autorité de Jean-Blou, on est tout à fait content d'avoir votre présence et de pouvoir soutenir ce genre d'initiative. Donc, merci et à tout à l'heure. Merci, M. le doyen. Que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, derrière nos villes est devenu très tendance. Mais aujourd'hui, plus qu'une tendance, c'est une nécessité, à cause des très nombreuses services écosystémiques et durables qu'offre le végétal, tant pour le citadin que pour son environnement. La solution de nos problèmes économiques, écologiques et sociaux se trouve dans d'autres façons de produire et également dans d'autres façons de consommer. Tant qu'on n'aura pas compris ça, nous continuerons à aller vers l'avenir à reculons. En ce qui concerne l'alimentation, nous devons reprendre en main notre destin alimentaire en réapprenant l'autonomie alimentaire. Et la crise Covid, comme l'a souligné M. le doyen, et le confinement nous l'ont rappelé de façon virulente, si j'ose dire. Cette transition vers le mieux produire, le mieux consommer, doit s'effectuer aussi, et je dirais même surtout dans nos villes, où 80% des ressources y sont absorbées. Wasabi, la plateforme que nous allons inaugurer aujourd'hui, est unique, car elle veut montrer la conjugaison de la nature et de l'agriculture en un seul lieu, dans un environnement stimulant urbain et périurbain. Cette journée d'inauguration est d'autant plus importante qu'elle est rehaussée de Sa Majesté le Roi et de M. le ministre Borsu, qui effectueront une visite de terrain tout à l'heure. Le discours d'inauguration vous sera retransmis en direct dans cette salle. Et au-delà de cette présence qui nous honore et met en lumière
la pertinence de notre plateforme. Je veux voir en cette journée non seulement un aboutissement, mais également un commencement. Le début d'une longue vie pour notre plateforme qui permettra, je l'espère, d'accompagner les villes et le secteur de l'agriculture vers le chemin de la transition que nous devons obligatoirement emprunter. Et oui, notre doyen nous l'a déjà annoncé, en sachant bien à l'heure actuelle, on ne trouve pas beaucoup d'exemples comme le nôtre, comme notre plateforme. Et un seul autre exemple de ce type est situé à Montréal, au Canada. C'est pourquoi, en préambule à l'inauguration, j'ai souhaité inviter, via la visioconférence, M. Éric Duchemin, pour qu'il nous écrive cette plateforme québécoise. Donc c'est un peu un teaser, encore un petit peu de suspense avant la plateforme aux habits. Duchemin à prendre la parole. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints cet après-midi, je vais encore le présenter brièvement. Monsieur Duchemin est directeur scientifique du laboratoire sur l'agriculture urbaine et du carrefour de recherche. Il a une expertise dans le transfert de l'agriculture urbaine au Québec. C'est un spécialiste reconnu internationalement et il est amené à animer des formations, à participer à des comités et à des recherches ou des projets d'envergure internationale, particulièrement en France, en Belgique et aux États-Unis. Éric, je te laisse présenter ta plateforme. Je vais vous partager la présentation. Enfin, on espère que ça va fonctionner. Là, vous voyez mon écran. C'est parfait, on va t'en prendre. Faut que j'aille chercher la bonne présentation. C'est ici. Donc, vous voyez la présentation? Oui, c'est parfait. OK, c'est parfait. Rebonjour. Ça fait plaisir d'être présent au lancement de Wasabi. Je dirige le laboratoire sur l'agriculture urbaine qui a monté durant les dernières 10 années une plateforme de recherche en agriculture urbaine. Et depuis longtemps, on espère que d'autres viennent se joindre à ce qu'on a mis tranquillement en place. Et donc, c'est un grand plaisir pour moi là, de voir que la plateforme Wasabi va être lancée. Comme Aïssam le disait, on collabore depuis un certain temps et j'ai vu tranquillement monter les différents projets et la plateforme. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient et d'autres acteurs actuellement qui développent de telles plateformes en agriculture urbaine. Certaines existent en partie, entre autres, au niveau de la France avec Astrodor. Mais comme c'était mentionné juste avant, ça reste très rare des plateformes de recherche, mais qui sont essentielles. Et je vais en parler un peu durant la présentation et le pourquoi on a monté, nous, notre plateforme. C'est la recherche en agriculture urbaine suit le développement du mouvement et le développement des fermes. Donc, souvent, on n'a pas les infrastructures et souvent, même les projets n'existent pas. Donc, il faut faire les projets pour pouvoir les analyser et après ça, faire du transfert de connaissances pour permettre aux acteurs de monter leur propre projet avec des données probantes et des données vérifier. Donc, je vais vous présenter rapidement là, ce que nous, on a mis comme installation qui est un peu différente de ce qui est fait au niveau de Wasabi, parce que vous allez voir, nos installations sont dispersées à travers la ville de Montréal. Alors, je le mentionnais ce matin, on mène des recherches autant sur les impacts sociaux et les impacts environnementaux et des recherches économiques sur l'agriculture urbaine de manière large et autant sur les techniques et les pratiques. Et dans le cadre de ces recherches-là, souvent on est tombé sur l'enjeu de pas lieu d'expérimentation ou encore les seules données qu'on peut avoir provenaient de l'industrie. Je veux bien croire au bien fondé et à la bonne volonté de l'industrie, mais l'industrie a quand même comme objectif de vendre leurs services ou leur matériel. Donc, il faut quand même mener des propres recherches indépendantes pour pouvoir faire du bon conseil. Et même souvent, les entreprises qui démarrent sont tellement jeunes qu'ils n'ont même pas les données essentielles de base. Donc, c'est beaucoup des données qui sont tirées soit de quelqu'un d'autre qui l'a dit ou d'extrapolation. Un des exemples même, c'est la fameuse des fermes en aéroponie. Je vous ai remarqué internationalement. Tous les projets en aéroponie disent qu'ils réduisent de 90% l'usage d'eau pour faire pousser des plantes en intérieur.
Alors, j'aimerais qu'un jour, quelqu'un m'envoie l'étude sur laquelle ces chiffres-là se basent, mais ce 90%-là est repris par toutes les entreprises en disant, ben oui, telle personne le dit, donc c'est vrai, mais finalement, il n'y a aucune étude qui le démontre. Enfin, je suis au courant d'aucune étude qui démontre cette réduction-là d'usage de l'eau. C'est peut-être vrai, mais il faut le démontrer. Et pour le faire, il faut des installations comme celles qu'on a mis en place ou comme Wasabi. Donc, c'est un peu ça, là, ces différents trucs. Et notre plateforme, pour nous, est vraiment utile au niveau de deux éléments centraux de ce qu'on fait. C'est évaluer des modèles économiques des entreprises agricoles urbaines et aussi sur les pratiques d'innovation agronomique. Pourquoi les modèles économiques? C'est la majorité des entreprises ne partagent pas leurs données économiques de productivité et autres. Donc, en tant que chercheur, on doit mettre en place des fermes urbaines, des unités de production, d'élevage d'insectes, par exemple, de micro-pousses, pour réussir à aller chercher ces données-là, parce que sinon, ils sont très difficiles à obtenir. Par exemple, toute la question économique de l'indoor farming ou des serres sur toit. Là, on a juste envie d'avoir Groof. Je pense que Groof apporte son élément là-dessus, mais une entreprise comme Gotham Greens aux États-Unis qui a des serres sur toit ne transmet pas du tout ces données économiques. Il ne partage pas avec la recherche, donc ça devient difficile de bien connaître et de bien travailler sur le développement de modèles économiques qui reflètent la réalité. Ce qui fait en sorte qu'au niveau du laboratoire, on mène de nombreux projets. On mène plus de 25 projets par année avec de nombreux partenaires, 60 partenaires. Et ça fait en sorte aussi qu'on a dû créer là, une équipe assez importante qui regroupe actuellement près de 18 employés, donc 14 employés permanents, des saisonniers, après ça, des étudiants, des stagiaires et autres. Donc ça, c'est un peu la structure. Et donc, de tout ça, ce qu'on a développé, c'est 8 sites d'espaces d'expérimentation qui se situent un peu partout à travers la ville de Montréal, des sites qui sont permanents ou des sites qui sont temporaires pour des projets avec souvent des partenaires. Donc, ce qu'on a au niveau de permanent, on a une salle sur toit à l'Université du Québec à Montréal. On a un projet de potager urbain sur toit lié avec un restaurateur au niveau de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Donc, c'est le gros centre de formation pour les chefs, entre autres, au Canada. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes d'Europe aussi qui étudient à l'ITHQ. Donc là, c'est vraiment un projet qui nous permet de on en parlait juste avant, Guillaume en parlait sur des fines herbes plus spécifiques pour les restaurateurs. Ben, on teste des produits, puis on voit avec le chef si c'est intéressant ou pas, ça se conserve bien en cuisine, si ça rentre bien dans les recettes. Donc ça, c'est des choses qu'on fait à ce site-là. Après ça, on a un rucher de recherche, un rucher urbain en plein cœur du centre-ville de Montréal. On a un partenariat avec le Jardin botanique pour toute une recherche sur l'éco-pâturage. Et on a aussi des projets plus qui se déplacent. On avait un conteneur qui était vraiment plutôt une idée de comment des espaces comme ça, éphémères, pouvaient être utilisés pour la sécurité alimentaire par des personnes vulnérables. Ce conteneur-là a duré 2 ans. Maintenant, on l'a transféré, on l'a prêté dans une école pour des étudiants en sciences, afin qu'ils puissent s'amuser à développer des modules, à travailler des panneaux solaires et autres au niveau de l'énergie. Et on a aussi, on a 6 vignobles urbains sur lesquels on fait de la recherche, mais on a un qui est au campus SAQ, dont SAQ, c'est la Société des alcools du Québec, qui a une installation où on a installé un vignoble expérimental, toute une recherche avec du verre broyé, mais aussi il y a une ferme urbaine. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est nos sites satellites de recherche, mais dans tout ce dispositif-là, on a 3 sites qui sont des sites, on pourrait dire, majeurs de recherche, dont le premier est une ferme sur toit au Palais des Congrès de Montréal, donc sur un toit du Palais des Congrès de Montréal, où on va faire beaucoup de recherche et développement, entre autres, là, vous voyez, le projet vertical, sur comment on peut produire la verticalité sur des feutres. Cet été, on a des installations de Zipgro aussi, donc on essaie de voir sur toit qu'est-ce qu'on peut faire pour produire différents types de légumes à valeur ajoutée.
à quel coût, est-ce qu'on peut réduire les coûts d'installation de toits verts. Donc ça, c'est un des projets verticaux. On a tout le projet cultivaire où là, c'est vraiment de jusqu'à combien de kilos on peut produire par mètre carré, jusqu'où on peut densifier sans créer des problèmes de maladies dans les plantes. Quel est le temps de travail aussi nécessaire pour cette cueillette-là, donc vraiment des données économiques essentielles pour le développement de l'agriculture urbaine sur toit. On a tout un projet là, qu'on ne voit pas, mais qui est vers le bas. Là. Il reste un espace vers le bas, donc il n'est pas dans la photo, mais de développement de terreau à partir de résidus urbains. Des recherches, entre autres, certaines recherches qui ont été menées, entre autres, en France, à AgroParisTech. Donc, on fait des recherches complémentaires. Donc, on développe des terreaux avec des résidus urbains. On a tout un projet de recherche aussi sur les variétés. Est-ce qu'il y a des variétés qui sont, par exemple, de tomates, qui sont plus adaptées aux conditions environnementales d'un toit? À Montréal, sur un toit, durant l'été, la température peut monter à 50 degrés Celsius. Ne pas descendre la nuit, donc faire en sorte que les fleurs avortent. Donc, on s'est dit, est-ce qu'il y a des variétés, par exemple, des variétés qui viendraient d'Amérique centrale qui seraient plus adaptées que des variétés locales. Nous, on a tendance à acheter des semences locales, mais locales, c'est souvent en région rurale au Québec, souvent dans le Bas-Saint-Laurent, donc température plus fraîche que ce qu'on peut avoir sur un toit. Il faut comprendre que la température maximum qu'on a mesurée sur le toit là, du Palais des Congrès, sur la membrane, donc je ne parle pas de la température de l'air, mais la température de la membrane, c'est 102 degrés Celsius. Donc, imaginez la chaleur qu'il peut avoir, donc ça a un impact sur les plantes. Donc, trouver des variétés de plantes adaptées ne peut qu'aider les producteurs. Et on a tout un projet sur les fruits, les petits fruits, toute la réflexion sur les haies. Pour le vent, parce qu'il y a un enjeu qu'on peut avoir, on ne l'a pas sur ce site-là, mais qu'on a sur un autre site, c'est le vent. Donc, d'avoir des haies brise-vent pourrait nettement aider à la culture sur toit. Donc, c'est le toit de la centrale agricole, là, où il y a énormément de vent et les plantes sèchent. Enfin, il y a des stress hydriques importants à cause du vent. Donc, c'est à peu près, c'est des choses. Donc, ça, c'est vraiment un de nos sites importants de recherche où on fait beaucoup d'expérimentations. En collaboration avec le Palais des Congrès. Je pourrais répondre à des questions plus tard. Comme autre infrastructure qu'on a lancée, c'est ce qu'on appelle la centrale agricole. Donc, je mentionnais ce matin un secteur en développement au niveau de l'agriculture urbaine au Québec, c'est les fermes intérieures, le indoor farming. Donc, on s'est dit qu'on voulait jumeler ce besoin-là avec un autre besoin qu'on a identifié dans nos recherches, c'est l'accès à l'espace. Beaucoup des producteurs urbains nous disaient, mon défi pour partir de ma ferme, c'est que je n'ai pas accès à des espaces. Donc, on s'est dit, OK, il y a beaucoup de fermes en intérieur qui démarrent, champignons, micro-pousses, élevage d'insectes, aquaculture. Et il y a ce besoin-là d'espace. Donc, on s'est dit, on va trouver un espace industriel qui va permettre d'accueillir des entreprises. C'est une recherche de plusieurs mois et on a fini par trouver ce bâtiment-là. Vous voyez, mais juste derrière, vous voyez des serres sur toit. Le bâtiment est voisin des premières fermes Loufa. Donc, on est juste à côté. Enfin, nous, on est au troisième, donc on voit, on est au-dessus des serres Loufa. En rigolant, on dit toujours qu'on bientôt, on va les annexer. Donc, on a trouvé cet espace-là qui se veut un incubateur, un accélérateur d'entreprise, un espace de production. Ça se veut aussi un écosystème, parce que la centrale agricole, oui, c'est un espace pour nous de recherche. C'est un espace de développement pour des agriculteurs. Mais on voulait aussi qu'il y ait une synergie entre les producteurs. Et l'enjeu qu'on peut avoir en tant que laboratoire de recherche indépendant, c'est que nos fonds, c'est vrai aussi pour les centres de recherche universitaires, les fonds ne sont pas infinis. Alors, on devait aussi assurer une certaine stabilité financière au projet, donc le laboratoire Sécurité ne pouvait pas porter financièrement l'ensemble des activités, donc on a créé une coopérative, qui s'appelle la Centrale Agricole, donc il y a 12 membres actuellement, il y a 10 producteurs qui sont membres et deux membres qui sont des distributeurs, dont le distributeur majeur au niveau du bio. Donc, des légumes bio
en panier. Donc, les ASC, là, c'est la, l'ACAP, la coopérative, enfin, j'ai oublié son nom, mais l'ACAP, qui font bio locaux. Et vous voyez aussi le cadre blanc, donc vous voyez qu'il y a un toit de 4000 mètres carrés et le quart maintenant du toit est aménagé pour pouvoir accueillir de la recherche et des fermiers urbains, c'est potentiel. Pour l'instant, le quart sert à faire de la recherche. Donc c'est vraiment un lieu qu'on a créé. Donc vous voyez un peu l'équipe. Donc en intérieur, actuellement, on n'a pas tout le bâtiment. Là. C'est, dans nos rêves les plus fous, on aurait tout le bâtiment. C'est un propriétaire privé qui s'appartient, qui est très content de nous avoir parce que son bâtiment était presque vide. Et on a réussi à négocier des prix au pied carré qui est pas loin de la moitié du coût du marché à Montréal. Donc la centrale agricole, je vous l'expliquais, là, c'était 12 producteurs, donc vous voyez une fourchette de personnes de présence, c'était au lancement de cette centrale-là. La centrale agricole se veut aussi un lieu de recherche centralisé, donc un point de recherche, mais on veut aussi intéresser les autres producteurs pour qu'ils viennent et c'est aussi leur donner quelque part un espace de discussion, un espace de soutien pour après ça aller chercher chez eux, aller chercher avec eux des données. Donc, monter des projets avec eux ou faciliter l'échange. Donc, si on leur donne des services, si on les encourage, si on a des bonnes relations avec eux, en général, on réussit à avoir les données. Donc, la centrale agricole et l'ensemble de la façon qu'on fonctionne aussi au niveau du laboratoire, c'est un peu cette idée-là d'avoir des bons échanges, de faire beaucoup d'aide pro bono, donc ça veut dire bénévolement, pour après ça espérer que ces producteurs-là nous aiment assez pour nous donner des données. Nous fournir des données. En général, ça marche relativement bien. On réussit à avoir des données, beaucoup de données au Québec, même des certains producteurs en France ou en Belgique qu'on a soutenus dans le passé ou qui sont venus à l'école d'été, nous partagent leurs propres données. Donc, ça, c'est un peu l'idée. La centrale agricole perdure dans cette idée-là de plateforme de recherche, mais aussi de lieu d'échange et de transfert. Donc, on va avoir, là, on voyait une image de la plateforme. Donc, c'est vraiment le lieu de formation et d'événement. Donc, c'est un peu plus classe que les lieux de production, parce que la centrale agricole est avant tout un lieu de production. Ce n'est pas des gens avec des ordinateurs, c'est vraiment des lieux de production d'élevage d'insectes et autres. Donc, en général, c'est un peu plus sale que ça. Et on a aussi tout un espace de transformation, parce que l'agriculture urbaine, c'est aussi de la transformation, c'est aussi de la mise en marché. Donc, si on veut faire de la recherche là-dessus, il faut offrir les installations permettant de pouvoir suivre des projets en vrai, parce que ces projets-là, souvent, n'existent pas. Donc, en offrant cette cuisine-là, ça ouvre une opportunité à quelqu'un qui va faire le projet et nous, ça nous permet de le suivre pour pouvoir documenter et faire de la recherche. Donc, vous voyez, je vous ai mentionné les fermes Loufa. Le troisième projet majeur et qui on devait avoir cet été, mais qu'on aura seulement en 2021, c'est un toit maraîcher en plein cœur de Ville de Montréal, c'est un bâtiment qui appartient à la Ville de Montréal et ils devaient faire un toit vert dessus. Et ils ont eu l'idée de dire, ben, au lieu de faire un toit vert, on va faire un toit vert comestible productif. Alors, ils nous ont contactés en disant, ben, on a ce toit-là, est-ce que ça vous intéresse? Il fait 800 mètres carrés. Et nous, on a dit, ben oui, justement, on cherche un espace pour faire des recherches sur les services écosystémiques de l'agriculture urbaine, toute la question de la gestion de l'eau, tout un suivi assez serré sur les températures, sur la biodiversité. Donc, c'est un peu cet endroit-là qui va être notre troisième espace de recherche majeur qui va presque finir notre plateforme de recherche. Parce que le dernier projet qu'on a, c'est de développer une serre. Une serre sur toit. Actuellement, on a la serre de l'UQAM, mais la serre de l'UQAM est en verre, c'est une vieille construction, elle n'est pas adaptée pour faire de la recherche. Il y a différentes contraintes, donc on veut mettre en place une serre sur toit qui serait plus dans une réalité d'agriculteur urbain, donc ce ne serait pas en verre, ce ne serait pas en polycarbonate, qui serait jumelée aussi avec la production au niveau du toit en maraîchage. Donc ça serait le dernier élément d'une infrastructure de recherche. Une fois qu'on aura ces ensembles d'infrastructures, on va pouvoir poursuivre nos recherches au niveau de l'agriculture urbaine. À l'agriculture urbaine, depuis un certain temps, ce qu'on se rend compte aussi à Montréal, c'est qu'il y a d'autres groupes de recherche qui se mettent en place.
et qui commence aussi à développer des unités de recherche. Par exemple, il y a des chercheurs à l'École des sciences et technologies qui ont développé une structure, une énorme pièce de contrôle qui leur permet de contrôler l'environnement. Et nous, on s'est dit, on pourrait faire des recherches au niveau de la production indoor. Donc, on leur a fourni des modules de production en hydroponie. Donc, nous, on fait fonctionner la production au niveau agronomique et eux font tout un suivi au niveau de l'impact de l'humidité, des températures sur différents types de revêtements. Parce que c'est un des enjeux de faire de l'hydroponie en intérieur dans un vieux bâtiment industriel. Bien, ça peut avoir un impact sur la structure et on voit le cas. Il y a un cas qui existe aux États-Unis qui s'appelle The Plant à Chicago. Vieux bâtiment industriel, ils ont commencé à faire l'hydroponie et maintenant le bâtiment a de la moisissure de bord en bord. Les briques sont en train d'éclater. Enfin, quand le bâtiment est en train de tomber, risque de s'écrouler. Donc, il y a des enjeux à faire une production en environnement contrôlé, très humide, dans un vieux bâtiment industriel. Donc, avec ces chercheurs-là de l'ETS, bien, on va faire aussi des recherches. Et leur unité, quelque part, vient joindre notre infrastructure de recherche. Donc, c'est comme ça qu'on va se développer dans les prochaines années. Et aussi avec des partenariats internationaux, comme Wasabi, où on va pouvoir faire des idées. On a une rencontre demain avec d'autres partenaires. C'est l'idée de faire un réseau où on peut reproduire des recherches, on peut mener d'autres recherches dans la même lignée, donc réussir à aller plus vite, plus loin. Sur la recherche en agriculture urbaine, parce que s'il y a peu de plateformes de recherche, mais il y a aussi peu d'équipes de recherche au niveau international qui s'intéressent à l'agriculture urbaine. Et au niveau du laboratoire, on a toujours eu comme objectif de dire soyons ensemble, puis ensemble, en réseau, on sera plus fort et on pourra aller plus vite pour mieux documenter, mieux accompagner. Soit les municipalités, les décideurs publics, ou soit les producteurs. Alors, ça ferait à peu près mon tour. J'espère que j'ai respecté mon temps. Je pense que j'ai respecté mon temps. C'est super, Eric. Le temps est vraiment bien respecté. Et ce qui nous permet aussi d'annoncer, effectivement, avec l'ouverture de l'inauguration d'Wasabi, on a voulu aussi mettre l'accent sur l'aspect international, comme vous le voyez. Et cette mise en réseau, et donc on est arrivé à avoir un accord, une convention. On voulait la signer devant vous, mais Covid oblige, c'est un petit peu reporté, mais en tout cas la convention existe pour mettre, pour continuer à avancer en parallèle, mais aussi en complémentarité sur ces aspects d'agriculture urbaine et périurbaine. Voilà, un grand merci Eric. Tu peux continuer à nous suivre en virtuel. Et donc, maintenant, nous allons continuer notre petit tour et commencer réellement la visite virtuelle encore ici de Wasabi avant la visite de terrain. Vous savez que les scientifiques, ils aiment décrire leur environnement. Ils aiment y mettre des paramètres. Et depuis plusieurs années, ils se penchent sur la santé de notre planète. Et vous avez ici le concept des 9 limites planétaires par Rostrom, un Scandinave. Et ce concept met en avant que si 5 de ces 9 paramètres virent au rouge, nous basculerons dans un environnement extrêmement hostile et peut-être même hostile pour la survie de l'être humain. Vous voyez qu'on en parle beaucoup au niveau biodiversité, on est dans le rouge. Ce qui est moins connu, ce sont les flux chimiques. Et c'est notamment la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore. Évidemment, pour ceux qui connaissent l'agriculture, vous savez que ce sont des éléments extrêmement importants en tant qu'engrais pour la croissance des plantes. Deux autres paramètres importants, c'est le changement climatique, on en parle beaucoup, et de plus en plus, et on le sent, on le voit aussi. Et ce qui est moins connu, c'est l'utilisation des richesses terrestres, des ressources foncières, qui sont extrêmement menacés par de l'agriculture intensive, par l'anthropisation des sols, la minéralisation des sols. Et vous voyez que ces 4 paramètres concernent au plus haut point l'agriculture. En contrepartie, l'agriculture est source de perturbations de son environnement. Elle est à l'origine d'au moins 25% d'émissions de gaz à effet de serre.
Elle utilise énormément de ressources terrestres, de l'eau, vous voyez ici. Elle est à l'origine de la plupart des phénomènes d'eutrophisation. Et si l'on, en termes de biomasse, si l'on regarde les mammifères, 94% de la biomasse est due à des animaux d'élevage. Donc la production alimentaire mondiale menace la stabilité climatique et la résilience des écosystèmes. Il est donc urgent de transformer ce système alimentaire mondial. Un autre défi, c'est notre alimentation, notre régime. Comment arriver à un régime alimentaire plus sain? Si nous voulons évoluer vers une alimentation plus saine pour nous, mais aussi pour la planète, nous devons doubler la consommation de fruits, de légumes, mais aussi des noix, des légumineuses, et nous devons fortement diminuer, donc diminuer de 50%, la consommation de viande rouge et de sucre. À titre d'exemple, et c'est le rapport Lancet qui nous le dit, nous devrions à terme manger 300 g de légumes et 200 g de fruits par jour. Les Belges consomment en moyenne 200 g par jour. Le chemin est encore long. En plus, notre population, elle va continuer à s'accroître. Il est prévu d'avoir 9,6 milliards d'habitants sur notre planète et 75% vivront en ville. Donc, si je résume, on va devoir nourrir les villes, faire face aux aléas climatiques sans épuiser les ressources de la planète, tout en stimulant l'adoption d'une alimentation plus saine. Et c'est par rapport à ça que nous, scientifiques, nous travaillons et l'on voit maintenant l'émergence de nouveaux modes de production, des productions qui visent à l'optimisation de l'utilisation des ressources, à l'intégration dans le cycle des déchets et des excédents, c'est ce qu'on appelle aussi l'énergie circulaire, elle est aussi valable pour nous en agronomie, mais aussi notre agriculture doit préserver, voire restaurer la biodiversité. Et enfin, on assiste depuis pas mal de temps à la mise en place de productions locales, tant et si bien qu'une relocalisation de la production est aussi observée au sein de nos villes et autour. C'est ce qui justifie notre plateforme. Et nous l'avons d'abord rêvé. La plateforme Wasabi, effectivement, ça n'en pas de piquant, c'est une plateforme wallonne de systèmes innovants en agriculture et biodiversité urbaine. C'est un rêve qui s'est fait en dialoguant avec mon collègue, le professeur Grégory Mailly, et on voulait mettre en lien agriculture et biodiversité, afin qu'il y ait de réels services et d'échanges écosystémiques. Bien vite, trois autres personnes nous ont rejoints, le professeur Aurore Degré, le docteur Caroline de Clercq et le professeur Patrick Dujardin. Nous avons rêvé aussi et fait participer au rêve nos étudiants, que ce soit les bio-ingénieurs ou les architectes de paysage, en tenant compte de l'avis et de l'apport de nombreux collègues, et toujours avec le soutien de la CAIR AIM, dans laquelle nous nous trouvons, et de notre faculté. Et ce rêve, nous l'avons fait d'abord en deux dimensions. Vous voyez, affiché sur l'écran, le bâtiment terrain, et puis toutes les parcelles ici. Nous avons voulu y implanter un pôle d'agriculture urbaine, de biodiversité, des jardins botaniques, le jardin botanique, le jardin de pluie. Et surtout, nous avons voulu et nous voulons que ce soit un lieu de recherche, d'enseignement et de démonstration. Cela veut dire aussi que notre plateforme est ouverte vers le monde, vers les citadins Jean Boutois, vers nos étudiants, vers le public, vers les professionnels. Et ça constitue à l'heure actuelle un outil unique en Europe. Alors, vous voyez ici un peu la répartition des différents espaces. Nous l'avons toujours rêvé en deux dimensions, mais nous l'avons aussi rêvé en trois dimensions. Et notamment avec ma collègue Caroline Declercq, nous avons rêvé de parcelles maraîchères avec des bacs potagers, avec différents types de sols à étudier. On veut vraiment avoir une mesure scientifique de ce que fait déjà certains publics. Nous avons aussi voulu rêver à des parcelles sociales où ils pourraient eux-mêmes exercer cet art du potager et ils pourraient se détendre dans un lieu convivial, tant les étudiants que des personnes citadines. Et vous voyez aussi ici, on a voulu mettre en lien aussi la biodiversité et le maraîchage, et notamment ici avec de l'agriculture forestière maraîchère.
Pour accompagner cette diversité, nous avons aussi, et là c'est Patrick du jardin qui est arrivé, d'un jardin botanique. Alors reste sur ton jardin, Patrick, il est clair que ce que tu vois ici c'est un rêve, ta végétation dans le jardin est bien plus diversifiée. Mais ce qui est important, c'est de mettre en place un jardin avec un parcours esthétique, où il fait bon une année en apprenant. Et étant localisé juste à côté, je vois vraiment maintenant beaucoup d'étudiants passer, s'arrêter, observer les plantes. Donc je pense que le rêve est déjà en train de se concrétiser. Derrière les plantes en pleine terre, nous avons aussi rêvé de parcelles en hauteur, des cultures hors sol, mais aussi de la biodiversité hors sol. Et le professeur Grégory Mailly a voulu mettre en place des structures analogues, des infrastructures qui accueillent le végétal. Vous le voyez ici, et vous voyez, on en a parlé il y a peu, la phytosphère groupe qui sera en dialogue aussi avec cette biodiversité. Enfin, toujours dans les structures hors sol, un vieux rêve que j'ai eu, c'est qu'on en a parlé, c'est d'aller vers de l'aquaponie. L'aquaponie, c'est poissons et plantes dans un même lieu où l'eau est le vecteur et qui permet d'économiser certaines ressources. Vous voyez un étudiant très passionné, l'autre qui téléphone. Je ne sais pas ce que ça vient faire dans mon rêve, mais c'était là. L'idée d'avoir les poissons en bas et les plantes en hauteur dans la sphère. Nous avons aussi rêvé d'un pôle peut-être plus technique, mais qui est aussi là pour préserver nos ressources. Nous traversons, pour ceux qui la connaissent, la parcelle centenniale, et nous arrivons vers un pôle que vous pourrez visiter peut-être, est-ce que le rêve est réalisé, où on a voulu mettre en place toujours de l'aquaponie, mais plus destiné à un usage professionnel, c'est le sapristi. Nous avons voulu mettre aussi en place des conteneurs pour de la production de végétaux à haute valeur ajoutée. Nous avons voulu mettre en place, avec le professeur Frédéric Francis, des conteneurs pour de la production d'insectes à destination alimentaire. Et vous l'apercevez ici, mais j'en dirai pas trop pour le moment, le jardin de pluie. Il me tient à cœur de remercier nos différents partenaires. Les premiers qui nous ont aussi sponsorisé la journée aujourd'hui, c'est le projet Groof. Donc, merci d'être présent et merci de nous avoir sponsorisés. Nous avons travaillé et nous continuons à travailler avec le Centre Technique Horticole pour, à travers leurs outils, mais aussi avec l'ITH, à travers les étudiants qui viennent nous aider. Et pour eux, c'est aussi un outil d'apprentissage. Donc, merci d'être présent et d'assurer un certain partenariat, et aussi la SBL Hortiforum. GreenStuff nous a accompagnés depuis 2 ans et continuera sans doute à le faire dans la conception des plans 2D, dans la conception des plans 3D, dans la réalisation aussi, la réalisation de la palette végétale et des fournisseurs, et le suivi de la réception des chantiers. Donc vous voyez que du rêve, on passe à la réalité. Enfin, nous tenons à remercier la région wallonne et les fonds européens, parce que sans eux, nous n'aurons pas pu passer du rêve à la réalité. Maintenant, voyons voir plus en détail les différents sites. Le premier pôle, c'est le pôle d'agriculture urbaine et périurbaine. Comme vous l'avez vu, au centre de recherche en agronomie, en recherche en agriculture urbaine, on s'occupe de l'agriculture urbaine. Et c'est quoi? C'est cultiver des plantes, élever des animaux, dans et autour de la ville, mais on intègre aussi la notion de transformation et de distribution. Et tout ça, dans ce souci d'économie circulaire, locale forcément, et aussi d'essayer de dialoguer et de restaurer la biodiversité. Forcément, en ville, on va mettre des cultures à haute valeur ajoutée, des fruits, des légumes, de l'élevage de petite taille, et pourquoi pas aussi des molécules à haute valeur ajoutée, comme c'est représenté ici. Vous avez ici une carte de mon collègue Guillaume Morel-Chevrier, qui a fait ses études il y a quelques années. Il avait dénombré à peu près moins de 100 projets par continent, je veux dire. J'ai réessayé de faire la même chose en 2018.
Je n'arrivais pas à m'en sortir. Donc on a vraiment un boom de cette agriculture urbaine et la Belgique n'est pas en reste. La région Bruxelles-Capitale, évidemment, mais aussi il y a une ville phare en Flandre, c'est dedans. En Wallonie, les villes aussi, telles que la Mure, Charleroi, Liège, Andenne, Leuze, Hainaut, Leuzin-Hainaut, Jean-Blou, participent à ce mouvement. Et les villes qui sont surlignées en rouge ont été un jour ou l'autre accompagnées par Grisseur, notre spin-off. Et pourquoi cultiver en ville? Parce qu'en fait, le végétal comestible apporte de nombreux bénéfices, que ce soit au niveau social, économique et écologique. On peut y revenir, mais nous avons peu de temps aujourd'hui. Les techniques hors sol, on les développe beaucoup et principalement au Centre de recherche en agriculture urbaine que j'ai fondé il y a près de 10 ans. Et vous avez vu que l'aquaponie me tenait à cœur. Alors, voici un petit reportage. Vous ne connaissez peut-être pas l'aquaponie. C'est en fait le mariage entre la pisciculture et l'agriculture, un procédé écologique qui intéresse d'ailleurs les industriels. Des études européennes sont en cours. Un des plus grands projets de recherche est développé à Gambloux, en Belgique. Le dossier vert de ce dimanche est signé Siliane Appève et Eric Bertrand. Vous avez probablement entendu parler d'un aquarium ou un bassin potager. C'est l'aquaponie domestique. On fait pousser des légumes grâce aux poissons. Un procédé qui préserve davantage les ressources naturelles. Mais est-ce possible de l'appliquer à l'échelle industrielle? La réponse se trouve chez nos voisins belges. Des laitues à différents stades de croissance. Ce n'est pas une serre maraîchère ordinaire, c'est un espace de recherche scientifique. L'équipe du professeur Géjacli à Jean-Blou en Belgique travaille sur l'aquaponie depuis 6 ans. C'est un des projets pilotes en Europe. Des plantes hors sol nourries uniquement par les eaux usées d'un élevage de poissons. Les déjections de poissons vont être dégradées par des bactéries et ça va donner des éléments absorbables par les plantes. Et donc la plante va se nourrir de ces éléments. Et en même temps, ça permet aussi de ne pas utiliser pour les plantes de fertilisants chimiques. Définie comme une technique d'avenir par l'Europe, l'aquaponie est un modèle agricole ancestral, utilisé en Amérique du Sud depuis les Aztèques. Elle permet de très hauts rendements sur de petits espaces, elle transforme les déchets en matières premières et préserve l'eau utilisée plusieurs fois par les poissons et les légumes. On espère avoir du caviar dans 8 ou 10 ans. Thierry B est à la tête de cette pisciculture, une ferme d'esturgeons, des poissons d'eau douce élevés pour le caviar. Les scientifiques sont venus prélever de l'eau dans ces bassins. Ici, chaque mètre cube est utilisé 30 fois avant d'être purifié des nitrates et rejeté dans la nature. Pour cela, une station d'épuration énergivore tourne jour et nuit et il faut évacuer 250 tonnes de boue par an. Un coût important qui pourrait être économisé. Ça, annuellement, c'est de l'ordre de 70 000 euros ce coût-là. Et j'aimerais bien compenser ce coût-là en valorisant la matière organique qui est disponible et l'eau qui est riche notamment en nitrate, qui permettrait de faire pousser des plantes. Et donc l'aquaponie paraît être une solution idéale. L'aquaponie pour les industriels peut être synonyme de grandes économies. Pour définir tous les paramètres de production des élevages piscicultures, les scientifiques belges ont recréé une mini-ferme d'esturgeons. L'aquaponie, finalement, c'est quelque chose qui existe de façon empirique. C'est quelque chose qui s'est développé d'abord chez des particuliers, un petit peu en faisant du bricolage. Et maintenant, on est en train de se le réapproprier en termes scientifiques pour voir pourquoi ça fonctionne si bien. Après plusieurs tests, les résultats universitaires sont stupéfiants. Dans ces bacs, les laitues poussent dans une eau enrichie en minéraux, mais contaminée, néfaste pour les plantes. Même situation dans le second bac. Par contre, ici, les laitues sont dans des eaux aquaponiques. On a vraiment nos racines qui sont malades, qui sont noires, qui se décomposent. Tandis que dans l'eau aquaponique, on a également donc ajouté le champignon. Par contre, là, nos racines restent saines, blanches et en bonne santé. Ça montre que l'eau aquaponique possède des micro-organismes ou des composés bénéfiques pour la plante qui permettent d'empêcher le développement du champignon sur la plante. Produire en aquaponie permet de combattre les maladies des cultures sans pesticides. Il reste à diminuer les coûts d'investissement, simplifier la gestion des exploitations et persuader l'Europe de certifier la production en bio. Désolé pour le terme Gambloux, hein, c'est bien à Jean-Blous. Ce qui est mis en avant ici aussi, c'est que nous dialoguons et nous travaillons avec les industriels. Vous voyez que c'est une source
un déchet peut devenir vraiment une matière première. Et aussi, nous travaillons de façon plus fondamentale. Donc, Gilles Souvenacker est quelqu'un avec un doctorant chez nous, et donc on est en train de mettre en évidence des choses très originales au niveau du contenu de l'eau, au niveau microbiologique. Certains micro-organismes sont vraiment intéressants pour lutter contre certains agents pathogènes. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir visiter ? Notamment la PAFBOX. La PAFBOX est là, qui existe depuis 2012. C'est plutôt donc c'est un ancien conteneur que l'on a rénové, mis une serre au-dessus, et c'est plutôt, vu sa dimension, une aquaponie communautaire. Vous voyez qu'on a fait des calculs de production en cette froide, en cette chose, c'est-à-dire qu'on chauffe aussi l'hiver, et vous voyez le nombre de kilos. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement important, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant, et ça occupe des places de parking. Puisque la mobilité sur Bruxelles est en train d'entrer nos voitures, on pourrait occuper ces espaces. Et puis, on l'a vu dans le reportage, on a un deuxième système aquaponique, ce que nous, nous appelons le Sapristi. Et en fait, c'est trois systèmes d'aquaculture circulés. Nous avons cette aquaculture dans un local fermé et il est relié, donc on a posé des canalisations. On est vraiment avec un système qui est relié au système hydroponique. À chaque fois, on a des triplicats et nous, scientifiques, nous aimons beaucoup faire des statistiques et donc il nous faut au moins trois répétitions. On a donc un outil à la fois scientifique et à une échelle pilote industrielle. Vous aurez l'occasion de le visiter. L'aquaponie, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas toujours évident de le maîtriser. Et donc, nous avons un projet européen intérêt en cours, notamment avec Pierre Rollier, et il vise à développer des outils de formation et de gestion intelligents pour faciliter l'adoption de l'aquaponie. Et vous voyez l'ensemble des partenaires ici en dessous représentés. Derrière ça, on essaie de boucler la boucle. Et on collabore avec le professeur Francis, qui est lui de l'entomologie fonctionnelle et évolutive. Et lui est occupé à développer des conteneurs avec une production d'insectes. Et on a déjà fait des essais d'insectes pour l'alimentation des truites, des essais qui ont donné des résultats prometteurs. Nous-mêmes, au Centre de recherche en agriculture urbaine, on travaille sur la production de phytomolécules. On pense qu'au niveau économique, faire des laitilles en conteneur, est-ce qu'on arrive vraiment à une rentabilité? Et si on pose la question, ben, c'est qu'on va déjà avoir une certaine réponse. On pense qu'il faut vraiment des plantes à haute valeur ajoutée. Et nous testons, d'abord au niveau technique, mais aussi la faisabilité économique de la production de phytomolécules à haute valeur ajoutée. On en a déjà parlé. Un autre point important sur le bâtiment en terrasse, c'est la sphère qui va s'y installer fin de cette année. Le but, dans le cadre du projet groupe, c'est de diminuer la consommation énergétique et de voir l'intérêt de l'association d'une sphère et d'un bâtiment ensemble. Et donc, à terme, nous allons aussi utiliser les énergies perdues, ce qu'on appelle aussi les énergies fatales du bâtiment. De là, nous pourrons, pendant quelques années, étudier le réel gain énergétique et aussi la faisabilité économique qui en découle. Voilà, le Centre de recherche en agriculture urbaine, c'est près de 10 ans d'existence. C'est une vingtaine de recherches et techniciens, une vingtaine de projets déjà réalisés, dont 11 en cours. Nous développons aussi de l'enseignement au sein de notre faculté et nous avons, comme vous voyez, près d'une cinquantaine de partenaires. J'espère que j'en ai oublié aucun, c'est un peu difficile de s'attarder à ça, mais c'est aussi grâce à ça que nous existons, c'est grâce à ce partenariat. Et grâce aussi à l'équipe du laboratoire que je coordonne et du Centre de recherche en agriculture urbaine et aux étudiants aussi qui ont participé au développement de tout ça. Je vous remercie et je cède la parole à Caroline Leclerc pour le partenariat à la chaire. Merci Aïssam et bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais vous parler des parcelles maraîchères de la plateforme Oisalie.
Alors, ces parcelles, elles s'étendent sur 57 arts de terrain et elles sont localisées entre l'arrière du bâtiment Terra et l'arrière du bâtiment du jardin botanique, vous les visiterez peut-être tout à l'heure. Et l'objectif qu'on y poursuit, c'est finalement d'étudier, de faire de l'expérimentation autour de toute une série de pratiques, de techniques culturelles que l'on peut appliquer dans des milieux urbains et périurbains. Alors, là, j'ai un peu zoomé pour vous montrer que ces parcelles maraîchères, elles sont finalement divisées en quatre grandes zones, quatre grandes parties. La première est consacrée à la culture sur but. La deuxième va s'intéresser à une technique culturelle particulière qu'on appelle le spin farming. Dans la troisième, on va étudier l'agroforesterie maraîchère. Et la dernière est une zone un peu particulière qu'on a appelée la zone sociale, je vais y revenir. Mais revenons d'abord à notre première zone où on s'intéresse à la culture sur but. Et on va essayer de répondre à toute une série de questions par rapport à cette technique culturelle. Est-ce que c'est une technique qui est adaptée à nos régions, notre climat, nos conditions de sol? Si oui, quel est le type de but qui est le plus adapté? Quel est le type de légumes qu'on a intérêt à implanter sur les différents types de buts? On va s'intéresser particulièrement aussi à la fertilité au sein de ces buts, à la biodiversité et au microbiote du sol de ces buts, et particulièrement, on aimerait bien le suivre sur le long terme. On va aussi étudier toute une série d'autres paramètres, le rendement évidemment, le temps de travail, la partie économique, l'occurrence de maladies et la présence de ravageurs, entre autres. Donc voilà le dispositif expérimental qui, on l'espère, va nous permettre de répondre à toutes ces questions qu'on se pose. Donc vous voyez qu'on a 15 jardins qui sont composés chacun de 3 buts. Donc on a 45 buts en tout. Chacune de nos buts fait 4,20 m de long sur 1,20 m de large et 1,20 m de haut. Alors, dans notre zone où on s'intéresse à la culture sur but, on va tester quatre types de buts de composition différentes. La première, c'est simplement une butte en terre, à la mode de Emilia Zrip, donc simplement de la terre recouverte d'un paillage, pour voir si simplement le fait de cultiver sur une butte a déjà une influence sur les différents paramètres que l'on veut étudier. La seconde, c'est la butte en lasagne, qui est finalement constituée d'une alternance de couches de matière azotée, donc des matières fraîches, vertes, comme de la pelouse fraîche, par exemple, et des matières carbonées, brunes, sèches, comme par exemple des feuilles mortes. Donc c'est une butte qui ne contient pas de bois. On va la comparer à notre troisième type de butte, qui est la butte en sandwich, pour raison alimentaire, à la mode de Robert Moret. Alors, il existe différentes variantes de cette butte. Nous, on a pris le parti de la composer que de matière carbonée. Donc, c'est une butte qui, en son centre, on va y trouver du bois, des rondins de bois de faible diamètre, donc maximum 7 cm de diamètre. Et au-dessus, donc, on va empiler des matières carbonées, des écorces, du bois ramial fragmenté. On couvre tout ça d'une couche de compost, d'une couche de terre, d'une couche de paillage. Et une caractéristique intéressante de cette butte-là aussi, c'est qu'on va y planter les fagots de bois verticalement, de manière à permettre une entrée de l'eau de pluie et une humidification finalement du centre de la butte. Et la dernière type de butte que l'on va étudier, c'est la fameuse butte thermacole ou forestière, qui a beaucoup de détracteurs. On va voir si c'est à tort ou à raison. C'est une butte qui, en son centre, contient beaucoup de bois et du bois de très gros diamètre. Et au-dessus, on a des matières azotées et de nouveau des couches de compost, de terre et de paillage. Évidemment, ces quatre types de buts, on va les comparer à une culture non butée. Et donc, pour construire nos buts, on a pris à cœur d'utiliser uniquement des matières premières qui provenaient soit des parcelles maraîchères elles-mêmes, soit uniquement sur le site de notre faculté. Donc, le bois qu'on a utilisé provient de la taille et de l'abattage des arbres fruitiers qui étaient auparavant sur les parcelles. La terre provient des tranchées qui ont été réalisées pour faire l'écheminement. Et tout ce qui est matière organique provient du service des espaces verts de la faculté qui s'occupe d'entretenir le parc de la faculté et les abords de la faculté. Donc ça, c'est pour la culture sur but. La deuxième zone est consacrée au spin farming. Alors, spin, c'est l'acronyme de Small Plot Intensive. Donc en fait, c'est une technique culturelle qu'on rencontre parfois en ville où on a des très petites surfaces pour cultiver les légumes. C'est donc une culture intensive sur petite surface, donc on va vraiment essayer d'optimiser la culture en cultivant de façon très dense les légumes, couvrir le sol toute l'année et choisir des espèces à haute valeur ajoutée. Donc c'est une technique culturelle que l'on voudrait tester dans cette zone. Alors la zone de spin farming, elle est aussi un petit peu particulière parce que c'est une zone hybride qui va en plus accueillir toute une série de projets de recherche de plus courte durée et avec des objectifs plus ciblés. Je vais y revenir tout de suite.
Juste avant, je voulais vous présenter le dispositif expérimental de la parcelle, donc, qui est ici à gauche sur l'écran. Donc, vous avez 16 jardins dans cette parcelle, qui sont chacun composés de 7 parcelles de 7,50 m de long et, ce qui est particulier au spin farming, uniquement 70 cm de large. Pourquoi cette faible largeur? Simplement parce qu'une caractéristique du spin, c'est qu'on doit pouvoir passer avec un outil manuel en un seul passage sur toute la longueur de la parcelle pour optimiser vraiment le temps de travail. Alors, les carrés jaunes que vous voyez sur l'image, ce sont des serres sur roues qu'on va pouvoir faire se déplacer sur une ligne de 4 jardins pour avoir des cultures un peu plus diversifiées pendant la mauvaise saison. Alors, je vous ai parlé de projets de recherche. Pour le moment, nos parcelles de spin farming accueillent deux projets de recherche. Le premier est une collaboration avec le Parc naturel des Hautes-Pagnes et est un projet qui vise à déterminer l'efficacité d'un paillage en laine de mouton. Alors, laine de mouton qui n'est pas valorisable par les circuits de valorisation classiques. Le deuxième est un projet qui est réalisé par un TFiste de lisiage en blouse, Cyril Boss, qui vise à déterminer si on peut utiliser des amendements organiques produites par des entreprises locales, comme par exemple le vermicompost de pur vert, quelle est leur efficacité, et si on peut aussi utiliser des déchets produits localement au niveau de notre faculté et particulièrement par les systèmes de production expérimentaux de la faculté pour fertiliser des légumes, amender des légumes. Et donc, on étudie particulièrement les bouts des systèmes aquaponiques dont M. Giacchetti a parlé juste avant. La troisième zone que l'on retrouve dans les parcelles maraîchères, c'est une zone où on va étudier l'agroforesterie maraîchère. Donc, on va associer une culture d'arbres fruitiers à des cultures légumières. Alors, nous, on a décidé de travailler avec des pommiers. Et on a choisi nos variétés de pommiers en collaboration avec des experts du CTH et du CRAW. Et donc, l'idée, c'est de voir comment optimiser cette association de manière à limiter la concurrence, notamment pour l'eau et pour la lumière. Et la dernière zone, c'est la zone qu'on appelle la zone sociale, qui sera en quelque sorte une zone à co-construire avec ses utilisateurs, qui sera ouverte à la fois au personnel et aux étudiants de la faculté, mais aussi aux citoyens, aux écoliers de la ville de Jonglou, tous ceux finalement qui veulent venir un peu travailler la terre, expérimenter, échanger, rencontrer d'autres personnes qui sont passionnées par les mêmes choses d'eux. C'est vraiment un lieu qu'on veut de rencontre, de formation, de détente, et on a envie de revenir. Alors, je voudrais terminer ma présentation par un petit avant-après, parce qu'en fait, les parcelles maraîchères de Wasabi, il y a un an seulement, c'était encore un ancien verger, vieillissant, en assez mauvais état, envahi par les ronces, et grâce à l'aide de collègues, à l'aide des employés du CTH et des étudiants de l'ITH, on a pu, après avoir sélectionné les arbres qu'il fallait garder pour un intérêt variétal ou pour un intérêt de biodiversité, éliminer les arbres qu'il ne fallait pas garder, avoir quelque chose de plus ouvert et finalement avoir les parcelles que l'on a aujourd'hui, que vous visiterez peut-être tout à l'heure. Et enfin, je voudrais terminer aussi par remercier mon équipe sur le terrain. Merci à Léo, Damien, Cyril et Claudia, et en particulier aussi un merci à André. Et merci à vous de m'avoir écouté. Je suis en sécurité. Très bien. Donc voilà, bonjour à tous. Je remplace ici le professeur Grégory Maï qui est, pour des circonstances exceptionnelles, n'a pas pu être là aujourd'hui pour cette partie qui va concerner les infrastructures vertes, mais aussi la biodiversité. Alors, je crois qu'ici, on est tous d'accord pour le dire, en tout cas pour cette plateforme Wasabi et cette conférence, mais aussi de manière générale, l'aménagement durable des villes, c'est l'enjeu majeur de demain. Alors, ce défi doit concilier deux grandes règles. Les villes doivent accueillir des personnes et donc doivent maximiser un nombre d'habitants important par unité de surface. Mais aussi, et ça c'est le plus important, c'est de maintenir, voire d'améliorer la qualité de vie des citoyens de ces villes,
en fournissant un maximum de services. Alors, je pense que durant ces dernières années, beaucoup de personnes ont réfléchi à comment le faire via des nouvelles technologies qui peuvent être des technologies polluantes, voire grises. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que la solution vient des végétaux. Et oui, ben, ces végétaux ont un grand nombre de capacités. Ont d'abord la grande capacité de pouvoir s'adapter à différents milieux, ont aussi la capacité de fournir des habitats propices et d'améliorer l'environnement, mais aussi, en fait, ces végétaux répondent à un grand nombre de nos besoins, et c'est ce que cette conférence aussi montre aujourd'hui. Alors, cet avenir vert se prépare depuis plusieurs années au sein de la Commission européenne, qui a fixé des grandes lignes directrices. Ce concept d'infrastructure verte provient de là. Donc, il peut être défini comme un réseau stratégique constitué d'écosystèmes en bonne santé, et c'est important, en bonne santé, conçu et géré dans le but de rendre un maximum de services écosystémiques, donc un maximum de services aux citoyens, mais aussi de protéger la biodiversité. Alors, vient se greffer à cette notion, à ce concept d'infrastructure verte, la notion de solutions basées nature, qui sont en fait une liste d'actions qui s'appuient sur les écosystèmes pour lutter contre les grands défis globaux, par exemple le changement climatique. Alors cependant, donc, cette notion d'infrastructure verte, malgré qu'elle soit dans les textes de l'Europe, qu'on en parle beaucoup, on commence pas mal à en parler à la télévision, on en parle beaucoup ici, cette notion est relativement complexe. Pourquoi ? Ben parce que l'infrastructure verte, c'est d'abord un réseau. Ce réseau est constitué évidemment d'espaces, d'environnements différents, de milieux différents. Ici, par exemple, sur la photo, vous voyez que ces différents espaces qu'on peut retrouver en ville ou à l'extérieur de la ville sont multiples. Ils ont des dimensions différentes, ils sont parfois horizontaux, parfois verticaux, ils ont des fonctions différentes et ils possèdent eux aussi des végétaux différents. Certains milieux sont plutôt arborés, certains milieux sont plutôt ouverts. Et donc, la grande originalité de tous ces milieux que la ville peut offrir est son environnement, tous ces écosystèmes, qu'ils soient plutôt artificiels ou plutôt naturels, c'est en fait aussi une complexité pour mettre en place une stratégie intégrée qui prend en compte un objectif commun pour l'ensemble de la ville ou de la commune ou de la région, mais qui détient et qui obéit aux spécificités de chacun des sites pour que tous ces écosystèmes soient en bonne santé et sont durables. S'inscrit aussi dans cette difficulté la démarche du développement durable. Évidemment, on parle beaucoup maintenant du cycle de vie des matériaux, mais aussi des écosystèmes qui pourraient être reconstruits à partir de matériaux dégradés, et je vais vous en parler. Donc, tous ces milieux doivent être inscrits dans une démarche de développement durable, c'est à retenir. Alors, c'est là que s'inscrit vraiment notre équipe au sein de la plateforme Wasabi, c'est d'accompagner cette réflexion stratégique pour mettre en place des mesures favorables à la biodiversité, en milieu urbain particulièrement, mais aussi de développer des outils concrets. Des outils qui aident les opérateurs et les gestionnaires au quotidien à gérer plusieurs sites, à gérer plusieurs espaces et à mettre en place une stratégie intégrée. La plateforme Wasabi, c'est un exemple remarquable de la mise en place de ce type de gestion différenciée intégrant l'infrastructure verte du campus de Jean Blou. Pourquoi ? Ben parce que l'ensemble des sites de la faculté ont des fonctions différentes. Par exemple, la pelouse située devant le palais abbatial est une pelouse qui met en valeur le patrimoine historique. C'est un site historique et donc il est géré d'une certaine manière. Par contre, un bâtiment de recherche qui peut être plus éloigné du centre du campus peut avoir une autre fonction, comme ici sur la photo, une fonction de support, de soutien à la biodiversité en appliquant une gestion de fauche tardive. Wasabi est en fait à l'intersection du campus, de l'ensemble des sites du campus de Jean Blou, comme vous le voyez sur la carte, et y inscrit en plus d'autres sites qui ont aussi leurs propres fonctions. Un jardin de pluie situé au-delà du bâtiment Terra et qui lui a aussi pour fonction, évidemment, l'enseignement et la recherche. Les parcelles d'agriculture urbaine qu'on vient d'entendre parler et les vergers et l'ensemble des dispositifs forestiers qui ont eux aussi leur propre fonction de recherche mais aussi d'étudier l'ensemble de la potentialité au niveau des ressources alimentaires. Un jardin botanique qui a pour fonction principale évidemment un enseignement mais aussi la conservation de certaines espèces dans certains cas.
Et donc, cette plateforme Wasabi intègre, en plus d'habitats qui pourraient être juste des pelouses ou des espaces qu'on retrouve en ville, un potentiel énorme au niveau de l'originalité. Pour bien gérer ces différents espaces, nous avons donc développé un outil interactif, une plateforme qui permet au quotidien à un opérateur de gérer l'ensemble de ces espaces selon une stratégie commune, intégrée. Vous voyez par exemple ici sur la carte, nous avons repris le campus ici de Jean Blou, localisé certains sites. Pour chacun des sites, ces sites sont localisés, repérés évidemment et consultables en temps réel avec leur ensemble de propriétés et de spécificités. Mais aussi, nous pouvons définir pour chacun des sites une période favorable à la gestion, donc pour aider un opérateur à planifier, pour aider les équipes à planifier leurs interventions dans les différents milieux et à savoir comment les gérer. Alors, en plus de développer toute cette partie qui est liée à la structure verte, au niveau de la plateforme et aussi de l'expertise, nous travaillons sur deux grands projets. Des projets qui sont structurants dans notre unité de recherche en ce moment, liés à la biodiversité urbaine, le projet City Roof et le projet Mur Vert. Alors, ces deux projets ont l'ambition de concilier plusieurs éléments, plusieurs composantes. D'abord, une biodiversité native, je vais revenir dessus, l'économie circulaire et la mise en avant de compétences régionales. Nous irons voir ces dispositifs, notamment le dispositif démonstrateur qui est la toiture Terra, qui a été mis en place en 2017 et qui est suivi chaque année par des étudiants, doctorants ou masters. Mais nous avons aussi des dispositifs expérimentaux qui sont réalisés évidemment en plus petite échelle pour poser des questions plus précises, par exemple sur les relations plantes-sol, sur l'interaction de ces différents, d'une toiture végétale avec son environnement, etc. Alors l'objectif premier de ces deux grands types de structures, toit vert et mur vert, eh bien, c'est bien évidemment le support à la biodiversité. C'est notre priorité ici. Alors pour ça, l'ensemble des dispositifs qui existent dans la plateforme Wasabi sont des dispositifs qui ont été inspirés des milieux naturels. Les milieux naturels offrent des grandes potentialités. Il y a des milieux qu'on retrouve dans des contrées plutôt désertiques, il y a des plantes qui tolèrent à la sécheresse, il y a des plantes qui sont plutôt dans les milieux humides. Et donc, grâce à la biodiversité, grâce à ce qui existe dans nos écosystèmes naturels régionaux, nous pouvons puiser les ressources pour les réutiliser dans des nouveaux écosystèmes urbains qui ont parfois des structures différentes. L'utilisation de composants, par exemple, de métal en association avec les plantes, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans la nature. Et donc, ça nécessite d'être étudié. Ces différentes structures doivent évidemment répondre à nos besoins. Pour cela, donc, notre équipe étudie pour les murs et pour les toitures. C'est illustré uniquement pour les murs ici. Vous avez juste à retourner le schéma à 90 degrés, vous l'aurez pour une toiture. Mais donc, nous étudions les flux d'eau, l'impact de la végétation sur les radiations solaires, la biodiversité. Donc, je parle beaucoup de plantes ici, mais au niveau biodiversité, nous étudions aussi les visiteurs floraux, les pollinisateurs, etc. Et nous prévoyons aussi d'étudier les propriétés thermiques et acoustiques que peuvent offrir une toiture ou un mur végétalisé. Alors, tout cela se fait soit dans le cadre de doctorat, soit dans le cadre de recherche postdoctorale, également à l'unité. Ces structures aussi, et c'est notre volonté de les faire répondre à une logique d'économie locale et circulaire. Donc nous intégrons maintenant dans les différents projets une analyse du cycle de vie des produits, de chacun des produits utilisés, pour limiter au maximum l'impact sur l'environnement. Par exemple, pour nos murs végétaux, nous mettons en avant des compétences régionales en travaillant avec la société Métal Déployé belge qui fournit des plaques d'acier perforées pour les utiliser comme structure principale de nos murs végétaux. Nous utilisons des briques recyclées, alors ce qui peut être plutôt inhabituel, mais en tout cas c'est inclus dans les tests. Nous utilisons des briques broyées recyclées pour les toitures végétales, donc les personnes qui iront visiter la toiture Terra le verront. Nous étudions cette association qui peut être particulière et nous essayons également de revaloriser des matériaux issus de carrières
comme des poussiers calcaires qui sont généralement invendus. Dans plusieurs cas, certaines espèces proviennent de milieux qui sont plutôt calcaires et donc nous avons l'occasion de tester cette composante et cette interaction. Et finalement, donc, je vous ai parlé des composantes qui sont à la base des projets, en tout cas qui sont étudiées, mais il faut bien prendre en compte aussi les sites d'accueil de ces différents projets. Donc là, je vous parle d'une toiture terra. Dans ce cas-là, notre expertise a défini la végétation, mais nous avons l'ambition de créer un guide et de créer un outil d'aide à la conception qui va permettre, selon les paramètres d'accueil du site, sa localisation, son exposition, ses taux d'humidité moyens, etc., sa surface, de proposer des associations de plantes valables et compatibles avec des types de sols à revaloriser pour permettre de créer de nouveaux écosystèmes urbains totalement innovants. Alors, je termine avec la liste de nos partenaires. Donc, le projet, la plateforme Wasabi, c'est aussi une opportunité de collaboration et de mettre en avant des compétences qui viennent des acteurs, donc de nos collègues de Uliège, donc qui sont des professeurs, mais aussi de mettre en avant des acteurs privés tels que des bureaux, de travailler avec des bureaux d'architecture, de la Fédération des industries extractives, etc., qui, eux, nous offrent des conseils et aussi qui nous offrent un suivi et qui nous posent des questions réelles, en tout cas qui nous poussent à avancer dans les différents projets. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces deux projets, je vous invite à consulter les deux pages web et je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être devant vous pour effectivement vous parler d'un rêve qui a pris forme. Aïssam Djaki a très bien présenté les choses. J'enseigne la botanique dans cette maison. Quel plus beau rêve pour un professeur de botanique que d'avoir un jardin botanique à côté de la porte de son bureau et de la porte des laboratoires que fréquentent ses étudiants. Alors, le jardin botanique, donc, il a été implanté. C'est un projet, je dirais, qui a commencé il y a quelques années, à un moment redoutable pour le même professeur botanique que j'étais, le projet Terra, plein de qualités, qui n'avait qu'un défaut, qui était d'écraser complètement l'ancien jardin botanique. Heureusement, dans cette faculté, on est soutenu par ces autorités quand il s'agit d'enseigner la biologie végétale notamment, et nous avons eu pour projet, donc il y a quelques années déjà, de créer un nouveau jardin botanique. Et puis, le projet Wasabi a pris forme également et il y avait évidemment l'opportunité à ce moment-là d'intégrer ce projet jardin botanique dans la plateforme Wasabi et je pense que nous en sommes tous très heureux aujourd'hui. Alors, pourquoi un jardin botanique? Je dirais d'abord et avant tout pour attirer le regard sur la plante. Parce qu'il faut reconnaître que quand on parle de biodiversité, de conservation de la biodiversité, on regarde d'abord les animaux, pardon mes collègues zoologistes, on regarde d'abord les animaux et puis secondairement les plantes. Et j'aime bien cette figure tirée d'un ouvrage de Francis Allais, un botaniste qui écrit notamment « Éloge de la plante ». Et vous voyez qu'il représente deux promeneurs dans une forêt dense tropicale et qui admirent la biodiversité animale. C'est fabuleux, toute cette faune. Alors qu'ils sont dans une forêt qui est au moins aussi remarquable, évidemment, par la diversité végétale. Alors, je crois que c'est une des missions que nous avons dans l'enseignement, dans cette faculté, c'est d'attirer le regard aussi sur l'ensemble de la biodiversité, et donc y compris la biodiversité végétale. C'est indéniablement une des vocations d'un jardin botanique. Et puis connaître les plantes, car il faut les connaître avant de les exploiter. Et connaître les plantes, c'est commencer
par les appeler par leur nom. J'aime bien cette phrase, donc, tirée d'une introduction d'une flore remarquable, une flore des Alpes, écrite en 1956 par un botaniste suisse, Claude Faraget. Connaître les plantes, c'est d'abord les appeler par leur nom. Est-il possible d'aimer un être sans l'identifier, sans chercher à le distinguer de tous ceux qui lui ressemblent? Voilà, en cette introduction, dans un style fleuri qu'on trouve peu aujourd'hui dans la littérature savante, mais voilà donc, je dirais, une motivation qui suffit par elle-même à justifier un jardin botanique. Nommer les plantes. Ah oui, introduire aussi une nomenclature, donc un système de noms codifiés rigoureux, l'introduire auprès de nos étudiants, mais aussi beaucoup plus largement. Et ce sont encore les noms latins que nous utilisons pour dénommer correctement les plantes. Le latin, qui était la langue savante, vous le savez, pendant très longtemps, aujourd'hui a trouvé un dernier refuge, hein, après avoir été débouté par l'anglais comme langue scientifique internationale. Le dernier refuge, c'est précisément la dénomination précise des espèces. Et voici une espèce, le colchis d'automne, qui a fleuri dans notre jardin botanique, parce qu'il a terminé de fleurir alors que l'automne commence, mais il a quand même fleuri à la fin de l'été chez nous. Et le nom latin correct, c'est Colchicum autumnale. Ça semble compliqué d'utiliser des noms latins, sauf que j'explique à mes étudiants, et il faut l'expliquer à tous, que non, c'est une solution de facilité. Parce que si vous faites usage des noms communs, des noms vernaculaires, vous n'en sortez pas. Regardez, dans une autre flore, je suis allé rechercher tous les noms français qui désignent ce même colchic d'automne, et on y lit veillotte, veilleuse, fuchsien, tulou, safran bâtard, faux safran, safran des pieds, des pieds, oignon de loup, vachotte, femme nue, dame sans chemise, chénard de l'hiver. Et il y en a probablement quelques oubliés, et si on change de langue, on aura évidemment une autre liste. Je ne dis pas que les noms français ne sont pas intéressants. Il y a quelques choses intéressantes quand même à relever. Du loup, du chien fait allusion à la toxicité de la plante. C'est peut-être utile de le savoir. L'oignon de loup, ben, au bulbe, effectivement, que la plante produit, peut-être plus surprenant, femme nue, dame sans chemise. C'est parce que quand cette fleur s'épanouit, il n'y a plus de feuilles. Hein, les feuilles ont disparu depuis de longues semaines. Donc oui, intérêt peut-être de regarder les noms français, mais une rigueur qu'on doit s'imposer d'utiliser les noms latins. Donc un jardin botanique, ça sert d'abord et avant tout à nommer les plantes correctement. Parce qu'aussi, il faut reconnaître que l'usage du latin est aussi finalement parfois garanti d'une certaine sécurité. Il y a des homonymies trompeuses. Une homonymie, c'est quand on utilise, je dirais, le même nom pour une diversité d'objets. Prenons le cas des lauriers. Le laurier sauce que vous utilisez en cuisine, Laurus nobilis, est le seul que je vous conseille d'utiliser en cuisine. Parce que vous avez d'autres lauriers, prenons par exemple le laurier rose, qui est hautement toxique. Hein, votre chien mange le laurier rose, il est mort. Donc n'ayez pas l'idée d'élever une feuille si vous n'avez plus de laurier sec dans votre cuisine. N'ayez surtout pas l'idée d'aller chercher le laurier rose pour le substituer au laurier sauce. Donc vous voyez qu'il y a... Et puis il y a les rhododendrons qu'on appelle laurier des Alpes, le laurier cerise, etc. Il y a toute une série de lauriers qui n'ont en fait rien à voir sur le plan de la classification en vigueur avec notre laurier, le vrai laurier du genre Laurus, comme on dira. Voilà, tout ça c'est des choses évidemment qu'on essaie d'inculquer à nos étudiants et que au-delà de nos étudiants, évidemment nous souhaitons sensibiliser un maximum de gens. Alors, on a un jardin botanique pour nommer les plantes, on a aussi un jardin botanique pour classer les plantes, évidemment. Alors, il y a le grand classificateur Carl von Linné, hein, qui a mis beaucoup d'ordre dans la classification du vivant à son époque, tant d'ailleurs les animaux que les végétaux. Il nous a proposé un système largement dépassé, évidemment, aujourd'hui. Grand mérite de Linné, parce que d'abord d'avoir imposé cette nomenclature latine qu'on qualifie de binomiale. Vous voyez qu'un nom d'espèce est constitué de deux mots, colchicum autumnale. Ben, c'est à lui qu'on doit un petit peu l'adoption, je dirais, généralisée de ce système. Enfin, c'est lui qui l'a inventé, mais il l'a vraiment largement imposé. Et donc aujourd'hui, on a quand même quitté la classification, je dirais, linéenne, un petit peu dépassée, parce que quand on veut classer aujourd'hui, on a une ambition, en fait, qui est de raconter l'évolution des espèces. Car rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. Regardez, quand on veut mieux connaître ce maudit SARS-CoV-2, qu'est-ce qu'on fait? On lit qu'on a
ADN, on regarde comment il a muté, comment il a recombiné, par quel hôte il est passé. Donc c'est finalement en traçant l'histoire du génome du virus qu'on va tenter de le comprendre. Finalement, cette démarche, elle est largement développée dans tous les domaines de la biologie. Et quand nous avons décidé donc d'implanter les espèces dans notre jardin botanique, c'est un petit peu la logique qui a prévalu. On a donc disposé les plantes selon les grands groupes qui ont été donc apparentés par l'évolution. Pour dire les choses simplement, quand vous vous promenez dans le jardin botanique, si deux plantes sont proches l'une de l'autre, c'est qu'elles sont des cousines étroites dans l'évolution des plantes. Et pour mes étudiants, c'est extraordinaire. On a déjà donc éprouvé ça depuis 2 ans que ce jardin quand même fonctionne. La valeur mnémotechnique d'un jardin botanique comme celui-ci est vraiment incomparable. Se promener dans le jardin, se dire « Ah oui, les renoncules étaient près du coquelicot. » En fait, parce que c'est des choses qui sont cousines au niveau de l'évolution. Si vous photographiez la localisation des espèces, vous allez mémoriser cette organisation évolutive. Et puis un jardin botanique, ça sert à observer les plantes, mais aussi à diversifier les critères d'observation. On peut apprendre la botanique avec des MOOC, Massive Online Open Course, devant l'écran d'un ordinateur. Mais ça ne vous permettra pas de toucher la plante, de voir que certaines familles ont certaines caractéristiques, une feuille rugueuse. Ça ne vous permet pas de sentir la plante, de voir que le libistrum à côté du lilas partage des odeurs, parce qu'ils appartiennent à la même famille et qu'ils vont avoir une parenté chimique aussi. Tout ça, ce sont des choses que permet un jardin botanique. Et puis, les saisons jardins, c'est aussi, évidemment, un grand avantage qui est de permettre à l'étudiant de se promener et de se repromener et de voir le développement des plantes, depuis le jeune développement végétatif jusqu'à la floraison, jusqu'à la fructification. Et donc, bien connaître une plante, c'est évidemment aussi en connaître le développement. Voilà. Il me reste à vous souhaiter bienvenue au jardin. Bonjour à tous, il me reste à vous parler d'un deuxième jardin. Un jardin qui est toujours en projet pour le moment au sein de Wasabi, c'est le jardin des pluies. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer en réalité, il n'est pas en cours de finalisation de conception et en cours de réalisation sur le terrain. Et donc, je vous inviterai à revenir pour le voir en réalité dans quelques semaines ou dans quelques mois. Le jardin des pluies à Wasabi, quel est le sens de venir avec ce type d'infrastructure? Eh bien, c'est de pouvoir, au sein de notre campus, qui est aussi au cœur de la ville, faire réapparaître l'eau. L'eau que l'on a beaucoup cachée, l'eau qu'on en a beaucoup mise sous terre, sous tuyaux, canalisée, conduite le plus vite possible à la mer. Eh bien, aujourd'hui, pose un certain nombre de questions dans nos villes, soit parce qu'elle est en excès, soit parce qu'elle manque. Et dans ce jardin de pluie, nous avons voulu réouvrir le passage de l'eau, remettre ce passage de l'eau à sa juste place dans nos paysages et y joindre toute une série de fonctions qui vont bien au-delà de la pure hydrologie. Donc c'est de l'hydrologie urbaine, mais c'est aussi de l'hydrologie qui est multifonctionnelle. Alors cette parcelle, assez logiquement, se situe tout à l'aval de Wasabi. Elle recueille toutes les eaux d'écheminement, les eaux des zones imperméabilisées et ce qui, en cas d'orage, ruissellera en excès depuis les terres perméables. Et nous avons voulu combiner différentes fonctions, les fonctions par temps humide, les fonctions par temps sec, l'hydrologie, comme je l'ai dit, mais aussi la biodiversité, puisque la disponibilité de l'eau, la proximité de l'eau et la fréquence à laquelle certaines zones sont en eau permettent de développer des phytosociologies différentes et donc au travers de moyens de gestion qui seront établis en concertation avec les équipes du professeur Maï, qui vous a parlé des toits verts, qui vous a parlé des murs verts, mais qui aussi travaillera sur le jardin de pluie. Nous allons pouvoir développer des zones avec des gestions différenciées qui vont permettre de faire se développer des phytosociologies complètement différentes. Puis nous sommes au sein d'une université, d'un campus,
Nos étudiants ont besoin de se retrouver, les chercheurs ont besoin de parler, des échanges sont extrêmement riches et extrêmement importants dans des disciplines aussi diversifiées que celles qui vous sont présentées aujourd'hui. Donc nous voulons que ce jardin ait aussi un rôle social et aussi un rôle de rencontre et aussi un rôle d'enseignement. Et je vais vous montrer comment nous allons pouvoir le mettre en œuvre dans quelques instants. Enseignement et recherche. On va mesurer énormément de choses. Et là, vous verrez apparaître le côté plus technique de ce jardin de pluie. Alors, comment est-ce que nous avons travaillé pour établir ce jardin de pluie? Vous voyez qu'il se situe sur la parcelle qui est tout à gauche de l'image ici. On voit les plis du jardin botanique tout à droite de l'image. Et donc, en fait, ici, vous avez toute la zone de wasabi. Mais ce n'est pas une simple photo. Ce n'est pas une simple photo, en fait, c'est déjà un début de collaboration qui illustre le travail qui a lieu au sein de Terra et au sein de cette plateforme, puisque c'est en fait une orthophoto mosaïque qui a été obtenue par télévision à très haute résolution au moyen du plateau technique de nos collaborateurs forestiers qui ont droné toute la zone après y avoir indiqué des points de vérité au sol qu'ils ont relevés par un GPS de très haute résolution. Et donc, on a ici une orthophoto mosaïque qui nous permet, avec une résolution centimétrique, d'avoir une vision très, très précise de la surface de la parcelle wasabi. Au départ de ce modèle numérique de surface, donc, nous avons pu cartographier l'ensemble des flux de ruissellement, par où l'eau allait passer, quelles étaient les reprises d'eau, que ce soit en surface ou parfois des pertes d'eau par des passages via des impétrants. Et nous avons donc pu retracer tout le chemin de l'eau sur la parcelle. Au-delà de cela, on a commencé un travail de terrain et je remercie les personnes qui sont dans la salle, Rémi et Johan, qui ont travaillé pour eux de ces cartographies encore théoriques, en plus d'avoir un cheminement extrêmement précis de l'eau et de tous les passages souterrains notamment, qui évidemment ne sont pas visibles sur cette orthophoto mosaïque. Ils ont fait cette vérification de terrain pour qu'on ait une vision très claire de l'eau que l'on allait pouvoir récolter au niveau du jardin de pluie. Et puis, il y a eu un travail technique et de calcul, de dimensionnement réalisé par Johan pour calculer tous ces volumes d'eau. Alors, on a travaillé sur une pratique d'ingénierie assez classique. On s'est donné une série de pluies de projets avec des périodes de retour, c'est-à-dire des fréquences d'occurrence de ces précipitations, des événements qu'on pourrait qualifier d'extrêmes, des événements qu'on risque de voir tous les 20 ans, tous les 10 ans, tous les 5 ans. Mais qui néanmoins pourrait être de moins en moins rare à l'avenir, puisqu'on voit ces statistiques évoluer très très fort et que des pluies extrêmement intenses sont de plus en plus fréquentes. Et donc peut-être que cette pluie qui aujourd'hui apparaît une fois tous les 5 ans apparaîtra demain tous les ans, voire plus souvent que cela. Donc nous avons travaillé sur un cheminement technique classique pour dimensionner les volumes à stocker au niveau de ce jardin de pluie, en considérant toute la surface d'approvisionnement qui a été identifiée sur la parcelle de wasabi et en calculant les temps de transfert jusqu'à la parcelle et les volumes reçus. Comment est-ce que ce jardin de pluie va fonctionner? Il sera tout d'abord constitué de trois nous. Alors nous, c'est un terme assez connu dans ce type de dispositif, c'est-à-dire d'un fossé large dans lequel l'eau va pouvoir être stockée, en partie infiltrée, mais en partie temporisée avant une connexion vers l'exutoire naturel, qui est l'Orneau, en fait la rivière qui s'écoule encore en contrebas du jardin de pluie. Donc une première noue va stocker les précipitations qui seront transférées sur le jardin pour une période de retour de 5 ans, donc finalement des pluies assez fréquentes que l'on peut voir apparaître assez régulièrement. Ensuite, nous avons une seconde noue dans le prolongement, dans laquelle on va retrouver de l'eau pour des précipitations plus importantes, quand la période de retour atteint 20 ans, et une troisième noue pour des précipitations encore plus importantes, quand la période de retour atteint 100 ans. Et puis derrière cette noue, nous aurons un plan d'eau permanent, mais dont le volume peut être augmenté en cas de nécessité par un stockage supplémentaire. Vous pourriez peut-être penser qu'une période de retour de 100 ans est excessive et qu'on ne verra jamais ce jardin fonctionner comme cela. N'en croyez rien, parce que des pluies de période de retour de 100 ans, en réalité, on en voit tous les ans, simplement elles sont disséminées, elles apparaissent à différents endroits, et elles peuvent tout à fait se répéter de manière plus fréquente dans un endroit donné, particulièrement dans les zones urbaines. On sait qu'elles ont des impacts extrêmement forts.
Et puis, le plus important, au-delà de ce dimensionnement technique, qui est un petit peu l'approche ingénierie qu'on a voulu amener dans ce jardin de pluie, il est évident qu'il faut le rendre multifonctionnel, donc l'ouvrir sur tous les enjeux de la planète. On a déjà beaucoup parlé de biodiversité, je l'ai déjà évoqué en collaboration avec le professeur Maï. De people, des gens, donc on y a construit une aire de rencontre, une aire de repos, une aire de discussion, une aire de discussion informelle entre étudiants, entre chercheurs et étudiants. Et une aire d'enseignement, c'est ce que vous voyez ici sur la droite, en bas de l'image, ce sera l'amphithéâtre en plein air qui sera installé dans le jardin de pluie et dans lequel on pourrait très bien imaginer de donner un certain nombre de nos cours orientés vers la biodiversité, vers la gestion de la nature, vers la gestion de l'environnement à nos étudiants en vraie situation, je dirais, dans une classe en plein air. Et puis j'ai disposé aussi sur ce slide qui est une série de dispositifs techniques parce que nous sommes dans une faculté d'ingénierie et que la mesure et l'obtention de données quantitatives est quelque chose sur lequel nous insistons très très fort auprès de nos étudiants. Et donc vous y voyez des exemples de dispositifs de mesure, des flux d'eau entrant dans ce jardin de pluie, des flux de sédiments entrant dans ce jardin de pluie ici, et de tous les stockages, savoir quand ils seront activés, quelles sont les quantités d'eau qui sont stockées, pendant combien de temps va durer le release, la vidange finalement de ces infrastructures de stockage. Et donc au travers d'un dispositif finalement assez classique, un peu de végétation en ville, il n'y en a sans doute pas assez, mais c'est finalement assez classique, on construit quelque chose qui est plus technologique, technique, qui rend des services multiples, tant au niveau de l'hydrologie que de la biodiversité, mais aussi de l'enseignement et de la recherche, et tout ça en créant du lien social. Je vous emmène ici, j'espère que ça va fonctionner, je ne sais pas trop comment faire pour le faire démarrer par contre. Voilà, à défaut d'une visite réelle, vous avez une visite virtuelle de ce jardin de pluie qui sera réalisée dans les toutes prochaines semaines. Et je vais vous montrer également quelques autres vues plus détaillées qui illustrent un petit peu les concepts que j'ai évoqués avec vous. Du lien social, différents écotypes, des instrumentations de mesure discrètes mais bien présentes, qui seront télétransmises évidemment sur les serveurs de la faculté et accessibles à tout un chacun. Il suffira simplement de scanner un QR code pour avoir accès à toutes les données hydrologiques. Un amphithéâtre en plein air, où je me réjouis de donner mon premier cours. On revient dans les amphis, mais celui-là en plein air, il est colis de pro. Et voilà un petit peu, je reviens sur le plan général. On en est toujours au stade du projet, et donc ça veut dire qu'il y a de la place. Il y a de la place pour les suggestions, il y a de la place pour les collaborations, il y a de la place pour des idées neuves et constructives qui viendraient, en plus de ce que j'ai évoqué, se greffer sur ce jardin de pluie. Et donc je vous invite à ne surtout pas hésiter à me contacter si vous souhaitez, si vous y trouvez un intérêt et si vous souhaitez contribuer à l'élaboration de ce projet. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite tout à l'heure une excellente visite. Bonjour à tous, je m'appelle Justin Nakoff, je suis assistant et doctorant au sein du CERO, donc du Centre de Recherche en Agriculture Urbaine, et je suis là aujourd'hui pour vous présenter les différentes visites, les différents parcours que vous aurez l'occasion de faire pour découvrir la plateforme Wasabi. Alors comme vous voyez, il y a 5 parcours différents qui ont été établis, chacun avec un nom précis et un code couleur associé. Donc pendant ma présentation, je vous invite à essayer de retenir ce code couleur ou le nom pour pouvoir vous inscrire par la suite à ces visites. Alors, dans ces 5 visites, il y en a plutôt 3 qu'on va dire thématiques et 2 plus mixtes. Donc la première visite, qui est intitulée Nature et biodiversité avec le code couleur bleu, vous commencerez alors par visiter les parcelles maraîchères de Wasabi, où on vous y tiendra un discours plus biodiversité, plus permacole, plus social du projet. Ensuite, vous vous dirigerez alors vers le toit de Terra pour y découvrir les différentes structures de biodiversité qui ont été mises en place. Et vous finirez alors par visiter le jardin botanique et donc sa palette végétale, sa palette de famille de plantes.
pour la deuxième groupe de visite, donc culture innovante. Donc ici, c'est à chaque fois des cultures hors sol. Et vous commencerez premièrement par visiter notre petit système aquaponique qui est la parvox. Donc vous avez les poissons dans le conteneur et ce conteneur est surmonté par une serre pour la production des légumes. Et vous irez alors ensuite visiter le sacristi, donc notre deuxième système aquaponique, à une échelle donc un peu plus grande où là on peut être un peu plus maniable, donc découpler le système, etc. Et finalement, alors vous irez voir la production en ce moment de forbes, donc une production étagée en conteneur dans le but de produire des molécules d'intérêt. Dernière visite thématique, donc en rouge, la boucle est bouclée. Donc, comme son nom l'indique, on a essayé d'imaginer une boucle dans la réutilisation plutôt des déchets. Donc on commence par la visite des parcelles maraîchères et comme toute production de légumes, il y a des déchets végétaux. Ces déchets végétaux pourraient alors être utilisés pour nourrir des insectes. Donc c'est la deuxième visite, là où vous pourrez voir la production de mouches soldats en conteneur. Et qui dit production d'insectes dit également production de protéines. Ces protéines peuvent être utilisées, cet aliment peut être utilisé donc, pour formuler de la nourriture pour poissons. Et cette nourriture, donc, d'ailleurs, a déjà fait l'objet de tests de projets au sein de nos murs. Et donc cet aliment pour poissons peut être testé dans le sacristie, donc dans le système aquaponique, pour nourrir les poissons. Et alors les poissons ben, produisent également des déchets, des bouts, des fesses qui pourraient être réutilisés au sein des parcelles maraîchères pour nourrir la terre. On arrive maintenant plutôt aux visites qu'on dira mixtes, avec le premier nom, donc le rayon frais, où là vous commencerez par visiter le jardin botanique, suivi alors de cultures indoor, donc avec les conteneurs, avec la production donc, de formes pour des molécules d'intérêt, et vous finirez par les parcelles maraîchères de wasabi. Et finalement, le dernier parcours, qui se nomme donc Poupée Garnie, avec le code brun, vous démarrez par l'aspect biodiversité sur le toit de terrain, vous irez ensuite sur la parcelle maraîchère et vous finirez par notre petit système aquaponique, donc la parvox. Alors, d'un point de vue plus organisationnel, on va juste après ici ma petite intervention, vous aurez l'inauguration des parcelles par le ministre Willy Boursu. Après cela, donc, ça se passe à 16h45. Donc l'inauguration 16h30, puis à 16h45, ce sera terminé et vous pourrez alors faire une pause café dans le hall juste derrière. Et dans ce hall, vous aurez également les tables pour vous inscrire à la visite de votre choix. Donc les tables se trouvent juste ici à la sortie, en sachant que pour chaque groupe de visite, il n'y aura que maximum 12 participants. Donc il y a la place pour tout le monde, mais voilà, c'est maximum 12 par groupe. Et le départ sera donc prévu à 17h15, on quitte le Sangor précisément pour aller sur les différents endroits pour visiter donc, la plateforme Wasabi. Donc vous aurez à chaque fois un chef de groupe, donc un peu avant l'heure on appellera et on formera les groupes devant les meneurs de groupe et vous partirez donc avec sur les différents spots de la